Salut Lolo, salut le chat. Bonjour à tous, bienvenue les amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Salut. Tibal qui sera bonne d'entrée de jeu pour son 9e mois, incroyable. Merci tonton. Oula, on n'entend pas très fort. Mieux, mieux. Qu'est-ce qu'ils disent? Salut. Comment ils vont? Retsuki, Reastarian, ça va ou quoi les gars? La pause était petite, hein. La pause était petite. Je regardais le rediff du live de dimanche, même si j'ai vu le live et pile au bon moment la notif qui met bien. Ah oui. Tu regardais le live et tu regardes la rediff, incroyable. Salut Morps, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Bonjour à tous, bienvenue les amis. Today is the day. Bon, on a eu les récompenses Morgane, non je crois pas demain. Hein. Ouais, demain. Normalement c'est demain. Aujourd'hui, DD5. Choc à fond. Clairement, faux choc. Faut que je récupère mes trucs sur le site aussi. Incroyable. Un peu d'RTA et du raid. Salut Rizor, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? En train de me refaire le Iron Man 3. Ah ouais, il y avait eu de mauvais retours, mais franchement, je l'apprécie bien plus. Oh si, ça va, moi je le trouve ok. Pas trop mal après un petit up de 200k après l'opening, tu m'étonnes. Ah, ça met bien en général. Surtout, de toute façon, plus tu mets de côté, plus ça te met bien. En vrai, il n'y a pas de secret. En vrai, il n'y a pas de secret. Jeudi, on fera un opening en live, d'ailleurs. Direct, on commencera par un gros opening monstrueux. Il y en a au moins pour une heure. Et ensuite, on partira... Bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura un opening d'ouverture, c'est sûr. Peut-être un petit coup de DD5, tant qu'à faire, tant qu'on est sur le jeu. Et ensuite, on verra. Ensuite, on verra ce que ça raconte. Bon, la pause était petite parce qu'on allait cet après-midi. Du coup, j'ai juste eu le temps de prendre ma douche et de manger, c'est tout. Tristesse des arrois, j'ai rien eu le temps de faire. Bon, j'ai fait mon montage pour la première note DD5, mais je l'ai pas encodé, parce que ça prend pour 30 minutes de vidéo, ça prend une heure et demie quoi, d'encodage, donc du coup je l'ai pas encodé. Mais c'est prévu après le live, je pense que je vais l'encoder juste après le live. Comme ça sortira cette semaine, donc ça c'est bien. Salut Loubia, qu'est-ce qu'elle dit, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, je me souviens jamais. Donc du coup ça devrait sortir potentiellement samedi je pense samedi, ce serait pas déconnant, en vrai ce serait vraiment pas déconnant. Par contre, qu'est-ce que je bois comme eau, c'est une dinguerie en ce moment, hein. Je sais pas vous mais c'est fou, hein. Je bois une quantité d'eau phénoménale et quand tu bois de l'eau tu fais que pisser, ça c'est incroyable. Donc du coup pas mal d'MSF à faire. Grosse rotation choc. Est-ce que j'ai de la recharge? Normalement, oui. J'ai 295, mais je dois avoir les 100 aussi. Je dois avoir les 100 dispo dans les quêtes. Donc ça, c'est bien. Putain, j'ai pas mal de trucs à faire, en vrai. Hein. En vrai, j'ai pas mal de trucs à faire. Vous en êtes où du choc ou angle, du coup, là? Ben moi, j'ai pas... Hein.
Je suis à 3,7 millions. Bon, on va choc. Il faut absolument que je choc. Je suis en PLS total. F11. Tac, plein écran. Alors, récompense d'arène. Oui. Je prends 251e à une place près. J'avais 25 trucs de plus, quoi. 8,2 millions, c'est ce que je devrais être. Bon, après, j'ai encore la rota de là à faire. Plus potentiellement deux autres. Donc, je devrais arriver à mes petits 10 millions. Ou 8, en tout cas. Est-ce que je récupère un petit peu d'énergie? Oui. La réponse est oui. Alors, qu'est-ce qu'on prend? En vrai, qu'est-ce qu'on prend? En vrai, on va farm L. Ah ouais, 80 quand même. Et ensuite, on va partir sur les super vilains et tutti quanti. Il faut que j'ouvre des orbes Morgane aussi. Des orbes Agatha, je veux dire. Ok. Ok, je sais pas où j'en suis d'Agatha, là. J'en suis loin, ça c'est sûr. Alors, peut-être pas aussi haut. Alors, j'ai des problèmes d'ISO dans plusieurs persos, donc là, ça va. Là, tu vois, par exemple, il m'en manque. En plus, c'est Morgane. Ça m'intéresse. Est-ce que ça va suffire? 85 sur 81. Oh, let's go. Oh, let's go, les gars. Let's go, les gars. Matrice instantanée. Et toi, toi, tu vas prendre ton dû. Hein. Tu vas prendre ton dû, toi. Hein. Je te le dis direct. Hein. Hop. 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 Et on va up tout ça. J'ai 296 000. Est-ce que je vais avoir assez? C'est pas sûr. Hein. 150. Pile poil. Oh, la chatte, la chatte, la chatte. Morgane, c'est bon. Elle est full T4, on est d'accord? Oui. Elle est G13 seulement, par contre. Qu'est-ce qui lui manque? Ah, bah... Ouais. Nouveau mini unique, galère, quoi. Nouveau mini unique, galère. Alors, Agatha, j'en suis où? J'ai dit, merde, je clique sur le... pas sur le bon écran. Alors, attends. Avant toute chose. Combien faut que j'achète de trucs? Deux ravitaillements. D'accord. Alors, fais voir, Agatha. J'ai 9 orbes. Ça, je vais prendre direct. Ça aussi, direct. Parfait. Il m'en fallait deux. C'est deux trucs intéressants. Ça me va. Ici, non. Ici, oui. Bientôt 6 étoiles. Ça va faire plaisir, ça. Oh, 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 oh. Let's go. Let's go, les gars. Oh, let's go. Let's go, les gars. Alors. Tu sais que depuis que j'ai passé cap, bon, c'était dimanche, hein. Je l'ai vu une fois en boutique, quoi. Énormément de tristesse. Énormément de tristesse. Donc tout ça, on s'en fout. Donc là, j'ai un objectif en plus. Combattre en raid, ça viendra tout à l'heure. 3 missions super vilain. Oui. Donc ça viendra à 20h. Et RTA. Ok. Ok, ok, ok. Choc. Bon, tonton Wong. T'es à 3,7 millions. Faut passer à au moins 5 et quelques là. Hein. Je te le dis direct. Alors peut-être pas ça. Ça, ça peut le faire. Je suis pas lié 8 déjà, c'est bon signe. Ouais. En vrai, ça passe. Ça non, ça oui. Ah, faut que je se crée à 141 KG16, magnifique. Magnifique ça. Le beau jeu, clairement le beau jeu. Ça a passé une bonne journée sinon? Ça s'est bien passé, tout va bien. De toute façon, si je prends win-win sur les trois, c'est celle-là. Hein. Ouais. Filamoule, je paye. J'attaque. Tac. Deathpool. Il y a un samouraï, mais bon. Est-ce que ça va vraiment être un problème? Ça paraît être le mieux, ça. Hein. Ok. Ulfion. Ouais, let's go. De toute façon, c'est l'AIM qui carry Ulfion, là. Hein. C'est bien connu. Ça, j'attaque. Il n'y a rien dedans. Bon, là, j'ai un Shang-Chi 184. Donc, autant te dire que je suis prêt à cartonner tout et n'importe quoi. Sauf ça, bien sûr. Bon, après, j'avais trois choix dégueulasses, là. Ok. Icaris. Let's go. Il n'y a rien, là, en face. C'est dingue, hein. Il y a des moments où tu chopes 20. Il y a... T'es pas les 8. En face, il n'y a que dalle. Ça, ça passe. Ça... Merci pour le follow, Crazy Tams. It's crazy. Ok.
Ouais, je vais faire mon petit montage première note de DD5 tout à l'heure, là. Comme ça, je la sors avant la fin du week-end. Et pendant ce temps, je vais entraîner mon anglais. Incroyable. Oh, diantre. Du coup, j'ai commencé à regarder les séries en anglais aussi. VSTFR. Franchement, les 10 premières minutes, c'était dur. Les 10 premières minutes, ça m'a rappelé toute la période où je regardais des mangas. Je me suis dit... Putain, c'est quand même un peu relou. Mais en vrai, après, c'est passé. En vrai, après, c'est passé. Ça, je pense que je cartonne tout et n'importe quoi. Hein. Omega Red 177K, si tu veux, à un moment donné, il est pas venu là pour enfiler des perles. T'as regardé le site que je t'ai envoyé pour l'anglais? J'ai regardé, ouais. Ben là, j'ai attaqué Duolingo, pour l'instant. J'ai chopé un 1000 en choc. Ouais, c'est pas une légende. Ouais, bien sûr, c'est pas une légende. Après, faut avoir une grosse, grosse chatte, quoi. Vraiment avoir de la moule. J'ai perdu là, c'est ça. Du coup, le site, je me le suis mis de côté. Et on verra. On verra ce que ça donne Duolingo, si j'ai besoin de plus ou pas. Je ne sais pas encore. C'est dommage, mais genre Jean Chil qui arrive même plus à ce rythme. Ouais. Ah, c'est Jean Chil, hein. Jean Chil des braises. Ok, je regarde même pas ce que je gagne depuis tout à l'heure. Ça m'a l'air compliqué, j'aurais peut-être dû regarder les deux autres. Ok, oh, easy peasy en fait. Merde, j'ai pas regardé ce que j'ai gagné encore, incroyable. Ça, ça passe. Un gros Hulk, mais bon. 50. Expertise militaire. Ça pouvait passer en vrai, hein. Non. Oui. Non, oui. 50. Enfin, je gagne que des 50. C'est la tristesse. Il y en a qui gagnent des 1000, sérieux. Ça existe pour de vrai. 50, 50, 50, 50. En plus, je suis en retard. Donc, autant te dire que ça va me lâcher que des 50. 50. Même pas un petit 100 de temps en temps. En vrai, j'ai Cresserel quand même. Hein. Ouais. J'ai quand même Cresserel. La Wakanda, les gars. J'ai attaqué sans regarder, je sais pas pourquoi. Why not? En vrai, why not? Il est né là, mais ok, ça passe. 50. 50. Ça, je pense que ça passe. Ah, j'ai pas regardé combien j'ai gagné. Touk. Ça, ça passe. 50. Putain, je gagne pas de 1000. Je gagne pas de 1000. Je gagne pas de 2000. Je gagne R. 177K la Ghost. Incroyable. Voilà. Là, si tu veux... Enfin, voilà quoi. C'est loose. Hein. C'est loose dans tous les cas. Je pourrais chercher une autre équipe avec une équipe plus loin, mais bon. Ouais. 50. Ça passe, ça. Ça passe, ça passe. 103 000 à chaque fois. Je suis à 5 millions 2 seulement, là. Non, je fais plus que ça. Ça va peut-être être long, là. Non, ça va. Et 50. Je suis pas à 5 millions 2, là, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, 6 millions, c'est bien ce que je pensais. Ah, tu vois, si je fais deux autres otages, je dépasse les 10 millions, quoi. Du coup, tu montes quand la Yamui Draw sort de défoncer la Darkhold en arène? Ah, faut attendre un petit rework quand même, je pense, parce que là, elle défonce des photos de la Darkhold peut-être, mais la vraie. Hein. Ok. Ça, ça passe. Je vais... vous savez ce qu'on va faire? Je vais remettre en ordre un peu mes Team Shock parce qu'elles sont pas du tout dans le bon ordre. Franchement, je suis pas sûr. J'y crois pas trop même. Ok. 100. Oh, j'ai gagné 100, let's go. Let's go, j'ai gagné 100. C'est la même, pratiquement. Vas-y, je dépense encore. J'ai 100 qui vont arriver à 21h. Est-ce que c'est fort en choc, ça? Après, est-ce que ça... Je pense pas que ça... être une BO quand même. Ah si, 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 si. Si, 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 si. Salut Manuel, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? 50. C'est pas bien payé ça.
C'est pas très bien payé. Il me reste 70. T'as que du lourd là. Allez, peut-être. Hein. Ouais. Ok, bon. Je finis à 6,8 millions. Donc je devrais arriver à mes 10 sans trop de soucis avec 2 rotas de plus. Alors attends. Il faut que je mette mes Team Shock dans l'ordre parce que j'ai l'impression que c'est catastrophique là. Choc. Alors 766, 753, 660, 540, 533, 700 déjà celle-là. Celle-là déjà elle est juste à 700 quoi. Hop. 540, 533, 605. Ok. 529, 536. Ok. 399, elle est bien loin celle-là. 511. Ok. 517. Hop. 503. Putain, j'ai un nombre de teams à 500k, c'est phénoménal. 459. 443. 465, ça monte. Ok. 488. Ça faisait un moment. Depuis que j'ai refait mes Team Shock, je ne les avais pas remis dans l'ordre. Et du coup, je pense que je perds des points. Ok, 488. 437. 425. 400, 513. Putain, ça monte, hein. 20, Dieu. Ça monte, hein. Les récompenses de Morgane, normalement, c'est demain. Salut King Polo, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je viens de la faire, la Rotashock. Salut Romac. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Là, je... Je range un peu mes Team Shock parce qu'en fait, c'est la galère. Elles sont pas du tout dans le bon ordre. Il y a des teams à 300k au milieu, des teams à 500. C'est pas très Covid, ça, je trouve. 465, 459, 443, 437, 425, 399, 453. Ça monte. Ok. 397, 543. D'ailleurs, ta vidéo m'a fait passer d'un million à Rota à 1,5 million. Merci beaucoup. Bah de rien, tonton, on se fait pour hein, les Team Shock. Après, c'est un système qui était... c'est un système assez vieux, mais qui était pas très connu. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais, quoi. Si j'aurais su, j'en aurais parlé avant. Tac, tac. Mais c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Le choix, en fait, tu gagnes du temps de ouf et des victoires de ouf, en fait, parce que le choix est beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus rapide à faire. Après, je me suis quand même fait râler dessus vite fait dans les coms parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Donc, je leur ai dit, ben les gars, écoute, le système, il a des années, ça fonctionne chez tout le monde. Faut peut-être te remettre en question, quoi. À un moment donné, je savais pas trop quoi dire, quoi. À un moment donné, ça marche chez tout le monde, ça marche pas chez toi. Ça me paraît compliqué, quoi. Je sais pas quoi te dire. Hein. Donc le mec apparemment avait fait les mêmes teams que moi. Mais à coup de pas, hein, je lui en veux pas. Hein. Il avait fait apparemment les mêmes teams que moi. Avec les mêmes perso carry, etc. Machin truc et tout. Et ça marchait pas du tout. Je dis bah écoute, franchement, je sais pas quoi te dire, tonton. Hein. Ça marche chez absolument tout le monde, quoi. Donc c'est une règle entre guillemets du jeu. Donc. Si ça fonctionne pas chez toi, pour moi, c'est pas le jeu le problème, c'est pas la méthode le problème. Hein. Salut Z-Killer, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Y
Il copie trop. Ouais, c'est exactement le problème que j'ai annoncé au début quand j'ai fait cette vidéo, début de chaque vidéo de Team Shock maintenant. Faites attention à pas copier. Il faut comprendre la logique et avoir une petite réflexion dessus. Tu peux copier. Mais on n'a pas tous le même roster, donc tu auras forcément des choses que tu devras modifier, c'est sûr et certain. C'est obligatoire que tu auras des trucs à modif. Maintenant, faut les modifs, hein. Salut Silo, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Madeline, oh putain! Il y a Madeline en RS, mais on va ouvrir des RS, j'avais zappé ça. J'avais zappé qu'il y avait Madeline en RS. Bien vu ça, tonton. Faut pas taper que les Infinity Watch non plus. Oui, c'est sûr, mais en fait, apparemment, le gars me disait qu'il tombait sur beaucoup d'équipes blindées, des équipes complètes, tu vois, beaucoup d'équipes complètes. Je lui disais, ben, c'est quand même étonnant parce que, ben, voilà, nous, avec la méthode, on l'utilise. Absolument pas le problème, quoi. Alors oui, bien sûr, de temps en temps, tu tapes des teams complètes, tu tapes trois propositions de teams complètes, c'est sûr, tu vois. Mais c'est beaucoup moins souvent que quand tu joues des teams complètes. Quand tu joues des teams complètes, c'est full BO, c'est full Infinity Watch, et j'en passe des vertes et des pas mûres. C'est une galère sans nom pour prendre des points. Alors que tu peux en récupérer bien plus facilement. Elle est là l'erreur, faut surtout pas copier-coller. Ben c'est ça. Faut comprendre la logique de la technique. Ben c'est exactement ce que je passe ma vie à dire. Cette vidéo, c'est pour montrer des exemples, on va dire. Mais c'est surtout pour essayer de montrer la technique, c'est clair et net. Après, chacun va adapter le truc suivant les carries qu'il a montés, etc. etc. Ça, c'est clair et net. Ouais, ça va tranquille. Les news pour récompense demain, Morgan, ce sera demain. 24 heures d'attente. Identifier quel perso peut carry et comprendre qu'il faut que ces persos soient un minimum up, genre G14, G15 avec les T4 essentiels au minimum, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est clair. Mais c'est, je le dis tout le temps. Hein. Je le dis tout le temps, en vrai. Je le dis tout le temps. C'est pour ça, ça m'a étonné quand il m'a dit j'ai les mêmes teams que toi avec les mêmes persos que toi. Je me suis dit, c'est bizarre. Je dis, ah ouais. C'est étonnant quand même. Parce qu'on. Deux comptes clonés. C'est pas comme si tu me l'avais chopé 6RS hier. Ouais, c'est vrai, mais je suis dans un autre monde. J'ai un truc IRL à penser absolument. Et du coup. Du coup, j'y pense. Et en plus, bah voilà, je me suis mis à apprendre l'anglais. Et je suis en train de réfléchir à un truc pour ma deuxième chaîne. Salut Goku et Luffy, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? J'ai tenté le carry de Wong pour voir, ça passe pas. Morgan et Strange facile, mais pas Wong. Ah ouais? Ah ouais, Wong. Wong et. Ah ouais? Ok. Après, peut-être un peu plus de puissance, peut-être, maybe, je sais pas. Parce que c'est fort quand même, Wong. Après, est-ce que ça. Ouais. Je sais pas. Franchement, j'ai pas assez testé le perso pour te dire ouais c'est possible qu'il soit. C'est possible qu'il soit carry ou pas, j'en sais rien. La DD5 ça avance bien, ça commence à avancer pas mal, ouais. Depuis que j'ai Omega Red, ça va beaucoup beaucoup mieux, ouais. Là j'ai regardé tout à l'heure, je suis en train de monter la première note, j'ai mis 8 runs. Et tu vois qu'à la fin, quand j'ai Omega Red, les runs sont beaucoup plus longs, quoi. Donc, plus long, plus de dégâts. Je sais pas si en bouffant, je me suis pas brûlé. Parce que je sens une sensation bizarre. Quand tu tapes des équipes full, tu tapes, tu zappes et tu reviens sur ta team après. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bon, moi, je le fais pas trop, mais. Mais si tu le fais, tu maxes tes points de ouf. Wong, c'est super fort en Dark Hole, mais tout seul, il est pas ouf du tout. Ok, ok. ...538 hein, quand même là. Hein. Ça monte sévère ça. Hein. Encore un peu. Voilà. J'ai plein de teams qui sont à 2-4 puissance de diff, c'est une dinguerie. Omega Red est meilleur que Kaïd en vrai menti. Merde, j'ai commencé à monter le Kaïd. J'attends son retour pour le 7 étoiles, déjà en 6 étoiles G15, c'est tellement fort. Omega Red, ah ouais, moi je l'ai 5 étoiles G16 et 5 étoiles 5RS G16, mais c'est clairement un perso qui va passer qui va passer 7 étoiles 6RS, ça c'est clair et net, ça va passer 6RS.
Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Ouais, quand même, pour les dégâts, ouais. Il fait vraiment des dégâts massifs, quoi. Il fait vraiment, vraiment des dégâts massifs. C'était un bordel, mes Team Shock, mais je m'attendais pas que ce soit autant le bordel. Laisse tomber. On dirait la chambre d'un ado, quoi. Omega Red, mieux que Kakaid pour la DD. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Franchement, c'était pas évident hein, à deviner. Le jeu est en train de bugger. Je monte des trucs, je descends des trucs, il bad. Il fait des allers-retours, il comprend. Oh, 617k celle-ci? Ah bah, il y a le Kakaid dedans, mon gars. Il y a le Kakaid. 617k, ma team Kakaid. J'ai mis Mantis, Kakaid, Silver Surfer. Le pauvre, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'on m'a mis? C'est quoi ces pégus, quoi? Mais il en a perdu ses cheveux, d'ailleurs. Il en a perdu ses cheveux, quoi. Alors, je pense que c'est un peu moins important de les mettre dans l'ordre avec la méthode, là. Mais voilà, il y a des raisons qui font que ça peut être sympa. C'est toujours mieux, quoi. Oh, elle a abusé cette équipe en vrai. Ça fait du point, je te le dis. Hein. Faut que ce soit dans la win, ça. Les teams qui win. Pas les 8 obligatoires, ça. Ah, ça monte, hein. Ça monte les échelons. Hein. C'est le Kakaid, ça. 605, 617, 660. Bon, on en est où? 399, 390, 370, 370, 379, 455. Celle-là, je ne les touche plus. Hein. Pour l'instant, en tout cas. Pourquoi je vois plus au-dessus maintenant? C'est quoi ce bordel? Ah, mieux. Encore une. Et on sera pas mal. Ok. Next. 432, 425, 499, 97, 90, 70, 39, 19, 419. C'est la dernière. Du coup, j'ai pas trop suivi. C'est quoi ton avis sur la force? Je pense que ça skip. Ça va être très très fort, c'est sûr. Ça a l'air d'être d'une violence phénoménale. Ça me fait pas mal penser à quand est sorti l'aéro alloué, les trucs comme ça, où t'as des premiers tours full DPS, vraiment vénère. Donc ça va être très agressif. Après, ça se skip parce que c'est de l'attaque de guerre, mais on en parlait en plus cet après-midi. Vu que y a les events des cavaliers, les events légendaires des cavaliers, est-ce que ça va pas être une restriction? C'est ça la question, tu vois. Est-ce qu'ils vont pas nous le caler en restriction? Et du coup, si tu la montes pas, t'es au bout de ta vie. Donc je pense qu'il faut quand même la tryhard. Je pense qu'il faut quand même la tryhard parce que... Parce que voilà, tu sais pas maintenant en fait. Hein. C'est ça le truc en fait. Hein. Tu peux pas te permettre de skip une team sachant qu'on va se taper normalement 80 légendaires dans l'année là. Donc ça paraît compliqué. Hein. Il faudrait qu'ils release la Darkhold, mais très très vite par contre. En orbe supérieur. Que je puisse ouvrir mes orbes supérieurs. Qu'est-ce que j'ai gagné? Incroyable. Ah, faut que j'aille sur le site récupérer mes trucs aussi. Ben voilà. J'y pense plus. N'oubliez pas ça. Hein. Actu phase. Bon, qu'est-ce qu'on a, les gars? Qu'est-ce qu'on a à récupérer, les gars? Tryhard, mais attendre avant de monter, je pense. Il y a des rumeurs de Team Tech Red qui sont apparues. Des rumeurs de... Oh bah la rumeur de Team Tech Red, ça fait un... Depuis le... C'est pas des rumeurs, c'est... Il y aura une Team Tech Red, c'est sûr, ça a été annoncé. Donc là c'est pas des rumeurs, là. C'est juste, ils s'attendent à que ça sorte, puisque de toute façon, ils ont annoncé qu'il allait la sortir, donc... qu'ils allaient la sortir, donc... Forcément, elle va sortir, hein. Voilà. Bon, j'ai récupéré des... Oh, 14 mails. Veuillez renouveler votre abonnement à Disney+. Moi, j'ai hâte de voir arriver Apocalypse. Ah, ça sera début d'année prochaine, je pense. Hein.
à mon avis, ou c'est début d'année prochaine, ou ils accélèrent parce que ils sont en perte ou un truc comme ça. Mais à mon avis, ce sera pas avant début d'année prochaine. Hein. Normalement. Ok. Putain, j'ai des loot, les gars. Oh, j'ai du loot. Bon, j'ai de l'énergie, du coup. Donc ça, c'est bien. On va le dépenser. Putain, regarde tout ce qu'il faut passer. Oh, c'est un truc, ça me fait bader. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, les gars. C'est une dinguerie. Gambit sera dans la Team Tech Red. Double rumeur. Ouais, double rumeur. Contre-rumeur. En perte. En même temps, avec des events non rentables, même en pay to win comme Agatha. Bah après, je pense que ça leur fait gagner de l'argent, un event comme ça. Mais ça fait partir des gens. Donc, à terme, c'est pas le bon plan, quoi. Mais par contre, je pense que ça leur fait gagner de l'oseille. Clairement, je pense que ça leur fait gagner de l'oseille de ouf. Ok. C'est sûr. Du coup, ce serait pas mal de savoir où j'en suis là. J'en ai 10, incroyable. Ça fait péter des éclats là. 21 seulement, je suis à 35 éclats, je l'aurai jamais, c'est ça? Est-ce que je l'aurai? Ça va être chaud. Hein. Ah oui, il y a les phases et compagnie. Ah ah ah! C'est vrai qu'il y a les phases. Eh oui, j'ouvre des orbes, t'as cru quoi toi? T'as cru quoi, mon gars? C'est quoi ça? C'est les trucs d'héritage? Oh, diantre. C'est quand les prochains éclats là? Il n'y en a pas d'autres? Ah, si, il y en a 20. Wouah! Phase 27. Compliqué. Bon, on a remis tout ça en place, donc ça va mieux. Surtout quand je recharge, tu vois. Quand je paye la recharge, au moins prendre des grosses équipes, quoi. 50. Incroyable. J'ai pas Shang-Chi, hein. Donc faut faire gaffe, quand même. 100. Let's go. Un petit 1000, ça ferait pas de mal, hein. Parce que là, je suis un peu en retard. Même un petit 2K, là, une petite orbe gratos. 50. Voilà. Tu vois, quand tu demandes, t'es servi, quoi. La team Kakaïd qui est la cinquième plus grosse team de mes Team Shock. Ça quand même, les gars. Oh, et ça rapporte un fois 100 en plus, let's go. Ah, le Kakaïd, incroyable ce personnage. Orbe. Oh, j'en ai même pas mis une petite de plus là. Radin, vite fait. Vite fait, Radin. Est-ce qu'on tire pas de la RS, les gars? Est-ce qu'on tire pas de la... Donc là, c'est Madeline, hein. Ah ouais. Let's go! Franchement, je suis chaud. Je suis très très chaud. Et pour être encore plus chaud, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'on veut. Bon! Toujours attendre le gong. On a 192 RS de base. Et on a 4 Elite 4. Mais potentiellement, on peut peut-être acheter ça. Et on en a 5. Non, on en a 4. Oh, j'ai une élite 5. C'est quoi, ça? J'ai une élite 6, les gars. Let's go. J'ouvre pas ça là-dessus. Hein. J'ouvre pas ça sur Madeline, je pense. Hein. Je la garde. Orbe d'élite 4. Bon. Ok. Je me sens envahir là, tu vois. Je sens que je me fais envahir, tu vois. Bon, bah, let's go, hein. De toute façon, on est là pour elle. Hein. Premier tirage, let's go, les gars. Salut Miss Kinder, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va ou quoi? Yondu 5, c'est du up. Ça va ou quoi, Miss Kinder? C'est du up. Allez. Un petit doré là. Pas ouf. Du flambi, ça. Putain, pas de doré.
Tu vois pourquoi j'ai une quantité d'RS de base phénoménale ? Sur les élites, je les chope à 100% depuis je sais pas combien de persos. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. 4 RS, ça me va. J'ai 700 crédits de promotion, un truc comme ça, ou 500. Yondu 5, incroyable. J'ai 1000 crédits de promotion 5. J'ai 1108 crédits de promotion d'argent. Donc autant dire que je la passe 5 dans le plus grand des calmes. C'est du up. C'est du up easy, en vrai easy. J'ai tout, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas touché mes orbes RS de base. J'en ai 192, c'est monstrueux. Au top miel pops. Et c'est du up. Easy peasy quoi. Calme-toi. Ah, on t'écoute pas souvent en ce moment, hein, c'est dingue. Quoique bientôt on va faire l'ouverture d'Orb Sup. Yondu, hein, tu vas augmenter la puissance de mon roster. Oh là là que c'est beau. Oh là là. Oh que c'est monstrueux. C'est monstrueux. 67 à 74. Énorme. Énorme. J'ai combien de roster? 19 215 165,2 divisé par pi. Pas dégueu. Moi ça va nickel. Ça va nickel. J'ai dormi jusqu'à midi comme un vieux. Enfin comme un vieux, comme un jeune au contraire. T'as plein d'RS de base car Polo a lancé la mode du hub du cacaïde. Ouais, bah après j'arrive à choper pas mal de 4 et tout rapidement. J'ai chopé Walou comme Agatha comme Wong. Ah ouais? Putain, mais moi franchement ces derniers temps, je me mets très très bien. 4 Madeline, 5 Agatha, 6 Wong, Kate Bishop 6. Bon ouais, j'avais ouvert une 6 RS. Echo 4, tu vois les persos récents, Vaudou 5, T'Challa 4, Morbius 4. Après j'ai le stock d'orbe qui fait que normalement je suis censé au moins assurer un 4. Tu vois ce que je veux dire? Bon, est-ce qu'on ne prépare un peu des persos, là? Hein? Il reste beaucoup pour monter Mantis. Ben là, on a fait une petite pause, en fait. On monte la Darkhold. Salut Fabrice, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? 19 millions, ouais. Ouais. Chill, hein. Chillax. Hein. Bon, est-ce qu'il y a des bons trucs, là? Dégâts perforants. De toute façon, la Darkhold, les gars, on est d'accord, hein. Réduit à jauge de vitesse de 15%, 80% de dégâts. Oh. Oh, let's go. Le passif trop fort. On va le laisser G13 pour l'instant, je pense. Parce que ben j'ai pas tous mes persos des D5, moi. On est là, on rigole, mais... On est en galère. Toi, par exemple, tu peux dégager. Hein. Littéralement, toi, c'est bon. Toi, c'est pareil. Parce qu'après, c'est quoi? C'est ville. Donc, il me manque toujours épée. Hein. Il me manque toujours épée, par contre. Putain, il m'en manque 6, quoi. Après, j'y suis pas encore, mais... Il va falloir que ça se bouge l'oignon, quoi. J'ai pas beaucoup de persos like, je trouve. C'est quoi la DD5? C'est ville et après c'est quoi? C'est mondial après, non? Donc là on a ville. Mondial. C'est mondial après. Faut que je monte ça. Et je sais pas quoi. Monter d'autres. En vrai, c'est peut-être pas déconnant de remonter eux parce que avec la Madeline Prior. Tellement loin. Mondial, ouais. L'éveillement Pay2Win d'Agatha a dû faire partir du monde, non? Oui, évidemment. Pas besoin d'avoir les stats pour savoir que ça fait partir du monde. Hein. Ça, c'est sûr et certain.
Je viens d'avoir le dernier item qui me manquait pour épée. Oh la chatte! Au bout de 2 mois d'attente sur un seul item, j'ai pu enfin commencer la partie ville. Trop de chance. GG tonton. Tu vas te régaler, il paraît. J'essaie de finir la Web Warrior pour la DD4, mais les formules d'os sont trop chiantes à choper. Ouais, de ouf. De ouf. Tu fais Emma, mais elle coûte cher. Ouais, mais après, vaut mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, le temps des. On monte des persos qui coûtent pas cher, mais qui puent la merde. Il est révolu. Hein. Il faut clairement, clairement prendre des persos qui ont une utilité, je pense. Hein. Et Emma, vu son kit de sort, elle aura toujours une utilité. Tu vois ce que je veux dire? Fais voir mes Web Warrior, moi, parce que j'étais en train de les up aussi. Je peux absolument rien faire dessus. Donc c'est parfait, c'est parfait. Lui, j'ai toujours pas sa 5ème RS, hein, donc je sais pas quoi en foutre en fait de lui. Elle tombe pas. Ils me font rigoler avec leur calendrier histoire d'avoir 2,3 orbes de plus. Monstrueux. Les formules d'os apparaissent magiquement quand on a plus besoin. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout collecté. Voilà, oh là, je suis riche. Je suis riche. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, alors ça, non. Ça, non. On a le cacaïde, hein, les gars. On a un cacaïde à 171k disponible. Oh. Oh la vache, les dégâts d'entrée de jeu, là. Parce que les dégâts d'entrée de jeu sont sales, les amis. On peut pas mettre Morgane. Enfin, je sais pas à combien elle est, la mienne, en fait. Vu l'événement MLF, vaut mieux faire un max de Web Warrior G16 pour la DD5 et garder du gear mystique pour la Darkhold, tu crois? Parce qu'après, si tu finis la DD, tu récupéreras un peu ce que t'as investi. Enfin, non, en fait, non. Tu récupéreras pas tout, en fait. Bon, on comble par le cacaïde ou comment? Faire si je mets le cacaïde, je suis à 894k. What the fuck? Bon, bah, je sais pas. Hein, franchement. Phoenix, c'est plus un perso en RTA. Hein. Ah, j'ai Colin. J'ai Colin Wang. Ça fait des dégâts aussi vite. Là, j'ai que du DPS early, là. Hein. Bon, à part Octopus, mais. Hein. Je vais voir un peu si je mets ça. Je crois en King Polo. Pareil. Il avait raison de appeler Cacaïde. C'est vrai. C'est vrai, tu fais bien de le noter, de le préciser. Si tu as pas les Yellow Star, les Web Warrior vont se pointer en DD5 avec 10 PV. C'est exactement ce qui se passe. T'as pas besoin de G16 Cloak and Dagger dans le contenu actuel. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai que t'as pas besoin de les G16. Mais, oui, c'est vrai. Mais c'est trop tard. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Je finis vers 19h en général. Rumeur. Red Gambit. La méthode de sortie pour Gambit sera comme pour Thanos et Deadpool. Franchement, j'en doute beaucoup, mais pourquoi pas. Doom 3 est à l'horizon. Alors ça, j'en doute encore plus. Hein, vu qu'on a que les 3 premières difficultés. J'ai perdu. Red Sim bientôt disponible. Bon, ben, à un moment donné, de toute façon, ils vont bien la sortir. Hein. Alors, ça, bon, ça, c'est faux. On le sait. On sait que ça va, c'est pas bientôt disponible. On sait que c'est prévu, mais c'est pas du tout bientôt disponible. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Personnage à venir, Deathlock. C'est quoi, ça, Deathlock? Lock avec mort en anglais devant. Deathlock. Hulkbuster.
Kid Vision. Kid Vision. Kid Vision. Kid Vision. Kid Vision. Jonas. Ah. Attends, on va peut-être le traduire ça. Hein. Traduire en FR. Lorsque Nathaniel Richards, une version adolescente de Kang le Conquérant, est venu au présent pour demander l'aide des Vengeurs, il n'a trouvé que les ruines du manoir des Vengeurs. Après avoir été ignoré par Captain America et Iron Man, il a trouvé les restes mutilés de la Vision et a téléchargé son système d'exploitation dans son armure neurokinétique. Mais bien sûr, qui n'a pas une armure neurokinétique? Enfin, je veux dire, ça paraît... Évidemment, j'aurais fait pareil. Ça me paraît logique, quoi. Grâce à cette fusion, Nathaniel a pu accéder... Nathaniel a pu accéder au plan que la Vision avait créé au cas où les Avengers tomberaient. Le programme Avengers Failsafe, prenant l'apparence d'Iron Lad, il a utilisé ses plans pour rassembler une nouvelle équipe de Young Avengers. D'accord. Et l'autre, c'est qui? Deathlok. Deathlok. Parfois appelé Cyberman, dans certaines traductions françaises, est un super-héros appartenant à lui. Bon, ça, on savait. Hein. Ça, on savait, par contre. Michael Mike Peterson. Putain, il est bien fait, hein, le personnage. Hein. On dirait presque un vrai bonhomme. C'est un cyborg, un ancien agent du SHIELD qui était un homme ordinaire avant d'être approché par un mystérieux groupe qui lui proposa de la drogue, qui lui promit de lui faire obtenir des super pouvoirs à travers l'injection du sérum Centipede. Alors, tonton, si t'as pas vu les trois films Human Centipede, forcément tu peux accepter, mais si tu les as vus, déjà ça va te détendre. Déjà, ça va te détendre. Néanmoins, quand il compromit le secret de l'existence du projet, ces derniers décidèrent de l'éliminer, mais ils furent arrêtés par un groupe d'agents du SHIELD dirigé par l'agent Phil Coulson. Phil Coulson ? J'ai entendu parler. C'était quoi le mode de sortie de Thanos et Deadpool ? Raid. Des raids. Bah, en fait, c'est le raid Alpha Beta. Voilà. La fille de Wanda et Vision. Deathlok, c'est le cyborg de la série Marvel Argent du SHIELD. Je n'ai pas vu cette fucking série, putain. Il faudra que je la mate un jour en vrai. Plus tard, Peterson décida de rejoindre le SHIELD en rejoignant l'équipe de Coulson en mission. Toutefois, Peterson fut recapturé par le projet Centipede et transformé en un atout cybernétique. Deathlok, qui fut utilisé par l'Extra Lucide pour contraindre les gens à ne pas suivre sa trace, notamment l'équipe de Coulson. Incroyable. À la suite de l'effondrement du projet Centipede et de la mort de Jean Garrett, Peterson décida de partir afin d'entamer sa rédemption pour ses crimes passés en tant que Deathlok. Durant cette période, il fut de nouveau recruté par un nouveau SHIELD dirigé par Coulson et commença à travailler directement sous ses ordres dans le combat continu contre les forces d'Hydra. Donc, d'accord, il se fait former par des mecs, après il essaye d'éviter que ces mecs-là ils suivent un gars, ensuite il retaffe pour ces mecs, il bouffe à tous les râteliers lui. Coulson lui donna pour mission de traquer le docteur List. C'est un docteur qui a une longue liste, tu vois. Un scientifique de haut rang d'Hydra qui finit par capturer et torturer Peterson jusqu'à ce qu'il ne soit secouru par les anciens membres de l'équipe de Coulson. Deathlok continua sa mission individuelle de protéger des vies innocentes, venant finalement en aide à Coulson pour fermer un portail vers la dimension de la peur. La dimension de la peur ? Avant de reprendre les cours de ses missions plutôt que de rejoindre le nouveau SHIELD. Ah, la dimension de la peur, elle est introuvable. Incroyable. Ok. Voilà les rumeurs de personnages qui vont sortir. Why not? Si tu as pas vu la version South Park du Human Centipede, c'est à voir tout de suite. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Niquez-vous avec vos persos impinables. J'ai pas compris la question. Il vient du futur, mais en fait de l'autre Terre, donc il fusionne avec lui et une femme dans cette réalité, et du coup c'est moitié un cyborg, mais avec des capacités mystiques, du fait que Scarlet Witch, dans son sommeil, est devenue sa marraine. Oh, oh là 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 là, mais quel enfer. Quel enfer. On est venu pour jouer avec Hulk et Thor. Ils ont des histoires. C'est Desperate Housewives. Je te jure,
Lui, il a couché avec elle, puis ensuite il a fait une alliance avec sa cousine. Mais vu que sa cousine était mariée à Jean-Mich, Jean-Mich était son ennemi. Du coup, sa cousine l'a quand même élevé en secret dans son garage, alors que l'autre était en train de faire un plan machiavélique pour tuer la mère du premier. Vous avez 4 heures. Voilà, nouveau personnage Marvel. Je préfère Desperate, au moins il y a de bonnes meufs et du cul. Ah ouais ? Franchement, ça fait des années que j'ai pas regardé ce truc. Même que j'ai appris récemment que dans Desperate Housewives, c'était Terry Hatcher qui jouait, alors que j'étais persuadé que c'était Alyssa Milano. Elles ont la même gueule. Calculatrice interdite. Vous avez droit à vos compas. Vous avez droit à vos compas. Ouais, c'est Terry Hatcher qui joue dans Desperate Housewives et pas Alyssa Milano. Et j'étais persuadé que c'était Alyssa Milano. Elles ont la même ganache. Alors, franchement, on dirait qu'elles sont, elles pourraient être sœurs en vrai. Terry Hatcher et Alyssa Milano. Non ? Ou c'est moi qui bade ? Vous connaissez au moins Terry Hatcher. Terry Hatcher, c'est elle. C'est celle qui joue dans Desperate Housewives. C'est elle. Bon, là, on dirait un cyborg, mais... Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à elle ? Elle est passée sous un bus ou quoi ? Oh, la vache ! Alors attends, on va essayer de la trouver normale. Ouais, voilà. Quand elle sourit pas. Donc elle, c'est Terry Hatcher. Je bad ! Je bad ! Arrêtez, les gars. Ah non, ah non ! C'est pas possible, c'est une blague. Et Alyssa Milano, regarde, tête de cyborg, pareil. Franchement, je batte tant que ça. Je batte tant que ça, les gars. Il y a quand même, un petit bignou quand même. Elle pourrait être sœur, on n'est pas d'accord. Elle pourrait être sœur. Elle pourrait être, elle est cousine, cousine alors. Parenté. Au moins quelque chose, un petit... Je batte. Putain, les gars, vous abusez. Théâtre, je la trouve magnifique. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. C'est moi qui batte, je batte, merde, c'est moi le problème. Elles sortent toutes de chez le même chirurgien esthétique à Los Angeles. Ah. Alyssa Milano est tellement wow. Elle était tellement wow parce que, bon, elle a quand même pris... Ouais, après, c'est une belle femme, j'avoue. Quoique... Oh, putain, devint Dieu de bon Dieu. Ah non, mais elle a eu un accident de voiture avec son oncle. C'est pour ça qu'elle s'est fait refaire... Putain, oui, il se passe quand même un truc. Hein. Elle a quand même... C'est quoi le délire de la chirurgie, les gars? En fait, pourquoi tu te fais de la chirurgie? Je sais pas. Tu vois que ses lèvres, elles sont cheloues, tu sais. Et tu vois qu'il y a un centimètre de fond de teint. Après, je juge pas, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, je veux dire, le fond de teint, tout ça, elle a raison, elle est actrice. Mais je veux dire... Pourquoi? Quand de base, tu es plutôt quelqu'un de ok, voire une bombe atomique, tu te retrouves à aller faire des trucs qui te font ressembler à Robocop, gros. Matt, il y a un souci, là. 100%, il y a un souci. Elle peut plus rigoler. Là, elle est morte de rire. Là, littéralement, là, elle est morte de rire, les gars. Là, elle est morte de rire. Hein. Elle est en train de chialer de rire. Hein. Je te garantis, elle est en train de chialer de rire, là. Ça se voit pas, mais elle est en train de chialer de rire. Elle a pris tarif. Tu les as choisis les photos. C'est ce que Google me propose. Petite anecdote, le nom du vaisseau des gardiens vient d'elle. Arrête. Salut Blask, ça va ou quoi? Elle pourrait être sœur du bistori. Bon, moi c'est sœur. Du coup, elle a fusionné avec son oncle comme dans Marvel. Alors, y a moyen. Elle complexe et leur milieu les aide pas. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Je sais pas. C'est... Ouais, je comprends. Je sais pas. Du formol dans la lèvre inférieure. Ah non, là, c'est de l'anesthésie en direct. Hein. Là, à mon avis, c'est de la kétamine. Directement en injection instante, quoi. Alors, moi, je préfère quand même Alyssa Milano à Terry Hatcher, mais quand même, elles ont un truc. Je vais te hanter toute la nuit. Elles ont quand même un petit... Enfin, voilà, elles se ressemblent vite fait, non? On peut pas avoir une photo où il y a les deux. Et Alyssa... Milano. Merde. Elles avaient 12 ans là. C'est de la merde. Ah. Non, pas du tout. Ça, c'est pas Alyssa Milano à côté. Hein. C'est l'autre là, l'ex de Tony Parker là. Comment elle s'appelle elle? Ah. Oh les gars. Par contre, il y a du chouch au balcon là. On va se détendre, on est sur Twitch. Tu.
Bon, ben, il n'y a pas trop de différence. Ah, mais si, il y a de la diff. Ah, oh, les gars, Eva Longoria, merci. Comment tu peux dire non, elle se ressemble pas? Comment tu peux dire non? Franchement, elle se ressemble vite fait, non? Salut Quex, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? C'est complexe. Acupuncture avec des baramines. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est réputé, ça. On les aurait en 2022. Merci, sujet suivant. Ah, je sais pas. Hein. J'en suis mis en le... Quel enfer, putain. Faut voir tes réactions des années 90 et Alyssa Milano des années 2000. Bah là, elles sont jeunes. Tu vois qu'elles se ressemblent. À la base, les gars, la discussion, c'est sur la ressemblance. Hein. C'est pas tchoutchement parlant si ça se fait ou pas. Hein. Dans la même chronologie à leur prime. Non mais après, tu sais pas comment elles auraient vieilli, puisque de toute façon, elles sont passées de ça à ça. Autant c'est, elles sont trop belles. Hein. Enfin, moyennant le produit anesthésié en moins, le produit gonflant en moins, autant elles sont bien, hein. C'est juste qu'elles s'aimaient peut-être pas, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Mais là, c'est dur. Là, tu la reconnais pas. Hein. Là, tu la reconnais pas. On compare Wolverine des 90 avec Cap de quelle année? Ils ont pas du tout la même gueule, tonton. Ah non, bah non. Attends. Non, mais ça se voit direct qu'elles se ressemblent, ça se voit direct. Elles auraient pu être colocataires. Tu vois? Elles auraient pu être colocataires, je suis désolé. Vous savez pourquoi on n'a pas les récompenses du fléau? Oui, parce qu'ils sont en train encore de nettoyer le classement, du coup ça va prendre 24 heures de plus que prévu. Je croyais le but était de savoir laquelle était la plus forte. Aux échecs? Ah ben, aux échecs, c'est Anna Taylor-Joy la plus forte. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors. Acteur chirurgie esthétique. Est-ce que c'est... Oh putain. C'est Mickey Rourke, ça. Oh! Tom Cruise, il a fait de la chirurgie esthétique. Le pauvre, il aurait dû se faire agrandir les jambes ou un truc comme ça. Il fait combien, Tom Cruise? Il fait pas 1m32 les bras levés? Il fait quelle taille déjà, ce gars-là? Je crois qu'il fait 1m56. 1m70? Merde! Ah ouais, je me suis fourvoyé, là. Il fait 1,7m. Ah ouais, ça va en vrai. En vrai, ça va. En vrai, il est pas si petit. Il est plus petit que moi, mais il est pas si petit. 1m70, 67 kilos. Ah, par contre, je lui prends 20 kilos. Bouah. Alors, eh ouais, Top Gun. Alyssa Milano confirmée dans MSF dans le rôle de Captain Botox. Ah bah là, take my money, là je prends les 3 œufs direct. Wiki ment sur la taille. C'est toi qui mens. Regarde, c'est pas Wiki, c'est Autour de la France. Autourdelafrance.com, c'est super sérieux comme site. Je pense que Autourdelafrance.com, toutes les tailles sont répertoriées et tout. Enfin, je veux dire, c'est... Oh putain. Oh, oh, tiens. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est elle? Mais non, elle a même pas les yeux de la même couleur. Tu trouves que ça se voit qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, elle, ou pas? Sur une échelle de 1 à 10, elle est à quel niveau de la chirurgie? Elle doit manger avec une paille, je pense. Elle est non sûrement, putain, la page. Oh, quel enfer. Même les meufs qui essayent de ressembler à Barbie, là, qui se font... 700 opérations dans l'année, elles sont, ça se voit moins qu'elles, quoi. Ça se voit, mais moins qu'elles. Quel enfer. Elle s'est fait de la chirurgie. Elle, c'est l'ex à Tom Cruise, justement. Putain, mais Tom Cruise, il est partout, ce bâtard. Il est partout. Hein. L'âme, ah bah là, mon gars. Quel enfer. Par contre, j'ai vu autre chose d'assez incroyable. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Ah, vite, elle est passée de la peau normale à blanche avec des taches jaunes.
faux sourcils, faux yeux. On dirait un Rummikub, elle. On dirait un Rummikub. C'est qui, ça? Je sais pas qui c'est. Oh, ben Mickey Rourke, hein. Mickey Rourke, il a tout changé. Il a élargi son pif. Ça, c'est assez extraordinaire, puisque les gens, ils essayent de justement le rétrécir. Lui, il s'est dit... Voilà, moi j'aime bien sentir l'odeur du pinard, tu vois, avant de le déguster. Donc à un moment donné, il va falloir m'écarter les naseaux, mais sévère, quoi. À l'étau, s'il faut, mais... Zac Efron, il est beau gosse, lui, il a pas besoin de chirurgie, non? Oh, pétard de vin, Dieu de bon Dieu. Mais comment tu peux le payer, le mec? Il lui a fait une oreille. Elle est naturelle, l'oreille, ou elle est refaite? On dirait un gamin né d'une partouze à l'UNESCO. Quel enfer. Elle est passée en 2D grave. Ah, c'est pour la C. Ah, il prend de la C, lui. Oh. J'avoue qu'il ressemble vraiment à rien. Putain, c'est l'enfer. Hein. Morgan... Arrête, Morgan Freeman, il a pas fait de chirurgie. Ah, pour les dents. Ouais, bah après, ça, c'est pas de la chirurgie. C'est de la chirurgie, ça, pour les dents? T'as des dents dégueu, tu te refais les dents. T'sais, t'as de l'oseille, ça paraît... Même moi qui ai pas les pires dents de la Terre, je pense que demain, j'ai de l'oseille, je me refais faire les dents. Hein. Et la face entière, même, hein. Je pense indirectement à la face entière. J'essaierai de ressembler à ça, tu vois, histoire de pouvoir respirer sous l'eau. Il s'est fait de la chirurgie esthétique, lui? Non, il a juste vieilli, les gars. Il a juste vieilli, lui, on est d'accord. Il y a des poils de nez, mon gars, ils sont tellement vénères, ils sortent quand même, quoi. Il les a coupés, mais ils sortent quand même. Il a fait de la chirurgie, lui, mais il a fait de la chirurgie où? Acteur, Friends, chirurgie esthétique, avant et après? Ah, franchement, ça me saute pas du tout aux yeux, quoi. Je vois pas trop, il s'est peut-être fait un peu lifter le trou de balle, mais du coup, on le voit pas sur la photo, quoi. Putain, lui, il s'est fait élargir le menton, non? Ou alors réduire sur les côtés, quel enfer. Le problème, c'est que j'en connais pas la moitié, là. Bon, lui, on sait, hein. On sait, hein. On sait que tu t'en es fait, hein. Tu te piquais au Saint-Ol aussi, toi. Ouais. Passionnant comme sujet. Ah, moi, j'aimerais bien ressembler à ça, tu vois. Là, je vais voir le chirurgien, je lui dis direct, moi, je vais ressembler à un ballon de rugby dégonflé, quoi. Ça me plaît. Il y a une quantité d'hommes, quand même, c'est phénoménal. Arrête! Ah mais non, je croyais que c'était celle de Wanda, mais c'est la petite sœur. Ou la grande sœur, je sais pas. Elle est plus petite qu'elle en taille, en tout cas. C'est la grande sœur, mais plus petite qu'elle en taille. Oh putain. Oh, c'est photoshopé à bloc, les gars. Ça se voit direct. Céline? Non, je peux pas y croire. Oh, quel enfer, c'est pas Sex and the City, ça? Moi, je buvais du Saint-Ol avec les matchs, avant les matchs. Ça fait pas ça. C'est les sœurs, ouais. Ouais. Ah, j'adorais elle. C'était l'un de mes personnages préférés dans Friends. Elle était trop délire. What the fuck? Oh merde. Elle capte la 5G avec son menton, je te jure. C'est vraiment quelqu'un, ça, en plus. C'est pas une blague. C'est vraiment quelqu'un, ça. Tu pues le chat. Ok. Bon, bah, c'était pas mal, cette petite aparté, cette petite parenthèse. C'était Mickey Rourke jeune, ça? Arrête! Non. Quoi qu'il y a moyen, hein? Oh, non. Comment tu veux les reconnaître, en fait? Il s'est tellement fait écarter le nez, le type, que... Ouais, lui, c'est en effet de ouf. Hein. Ouais, elle, par contre, c'est... Laisse tomber. Hein. Elle laisse tomber. Hein. Et toi? Franchement, t'es vraiment très mignon. Tu fais quoi ce soir? Après le gala? Ça te dirait pas de rejoindre chambre 212? Il y a moi et ma soeur jumelle. Oh, l'enfer. Elle se mord les lèvres, non? Sans faire exprès, là. Putain, quel enfer. C'est elle? Non.
Ah si, c'est elle. Non, c'est pas elle. C'est elle. Elle se marche sur les lèvres. Franchement, elle était pas moche. Elle était pas moche, tu vois. Pourquoi elle a fait ça? Elle était pas moche, tu vois. Moi, je préfère à gauche. Hein. J'annonce direct. Moi, je vois ça, je me casse en courant. Je me dis qu'il y a un fantôme. On va tous finir possédés par le diable. Hein. D'accord. Bon, allez, on va passer parce que là, je crois qu'il y en a, ils mangent. Ils voient des trucs comme ça, ils se disent « What the fuck ?»« What ?» Moi, j'ai déjà mangé. Pourquoi les gens font de la chirurgie quand il s'agit de beauté? Je sais pas. Après, ça dépend. Il y en a qui se font des chirurgies, par exemple, pour les seins, parce qu'elles n'ont pas de seins. Elles en veulent plus, tu vois, ça paraît ok, tu vois. Les dents, ça paraît ok. Tout ce qui est grains de beauté, trucs comme ça paraît ok. Bah pour les mecs, on en revient au sein pour les femmes. Pour les mecs, bah, le truc des mecs, je sais pas, hein, t'es en galère, t'es un peu complexé parce que t'es à 4 cm à fond, bah, pourquoi pas, tu vois. Mais après, voilà. Après, c'est tout. Hein. Après, ça dépend, c'est des gens, ils ont de l'oseille, donc... Salut en bac, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? J'ai pensé à toi hier quand j'ai tiré mes RS sur Agatha, un beau 6RS Kaïd. Oh, c'est beau ça, GG, ça t'entend. Ah oui, Madeline, ouais. C'est beau, c'est beau. Tu rentres dans la team, du coup. Hein. Je crois que tu rentres dans la team. Bon, est-ce qu'on finit cette note 2? Est-ce qu'on finit cette note 2? Ça serait pas mal. Si ça marchait vraiment bien, on ferait tous du 2m50 et on expliquerait que cette famille depuis Clovis. Bon, let's go. Ah oui, il faut que je pète les tanks là. Hein. Je l'avais dit. Hein. Là, c'est opération tank là. Hein. Tant que je pète pas les tanks... Après, il en reste 8. Ah, mais ils sont tous là. En vrai, ils sont tous là. Allez, va taper des gens, toi. Alors, tape des gens qui peuvent pas se heal, c'est mieux quand même. Oh là là, les dégâts de Jean-Chi. Toujours présent, Jean-Chi, pour mettre des damage. Ok. Je peux cap à bloc. En vrai. Ok. Oh, mais je leur fais tellement de dégâts. Oh, le debuff def sur tout le monde. Oh, si je peux ulti avec mon Omega Red juste après, je vais leur faire du sale. Oh, mon putain, mais cap. Cap vivement qu'il passe 6 étoiles, 6 RS, parce que il est vraiment faible, ce Pégu. Hein. Je tape les tanks. Hein. Après, c'est peut-être un peu déconnant. Hein. Là, j'ai quand même pas mal de debuff def sur des DPS. Putain, j'avais pas d'ulti, je suis un peu dégâts. J'ai pas mal de debuff death sur des DPS en vrai. Ok, tout va bien, tout va bien. Aïe. Ouf. Pique un peu ça. J'ai envie de taper lui parce que je vais toucher plus de monde. Voilà. Pas mal, pas mal. Ok, ça se passe bien en vrai. Non? Ok, c'est bon, c'est cool. C'est esquivé, ça. Ish. Voilà ce qu'on veut. Qu'est-ce que je fais? Je tue un DPS, hein? Non, je le tue pas. Oh, la tristesse! Aïe! Oh, la vache. Oh, la critique en plus. Oh! Calm down, là. Calm down, les gars. Je peux capabloc quelqu'un. Ah putain, j'ai pas... C'est pas là. Je croyais que c'était l'ultime, mais pas du tout. Ok. Ah, là j'ai l'ulti par contre. Là ça va piquer. Je l'ai fini la node là, on est d'accord? Ish. Ah, j'étais aveuglé. Pégu de Jean-Chi, quoi. Tu peux y retourner, tonton. Vas-y, tape dans le tas. Pas mal. Je l'ai capabloc lui, donc je le contrôle. Vous inquiétez pas. Là, faut que je le tue par contre. Et c'est la fin de Samnet 2. Oh, let's go! Let's go!
Victoire du canard, chouin chouin. Let's go, incroyable. Quelle récompense inédite. Ah bah c'est clair qu'avec... Attends, parce que j'ai beaucoup de choses à supprimer là en enregistrement. Ça dégage. Ça c'est l'opening RS, on le garde. Putain, let's go quoi. Applaudissements les gars. DD5, note 2. Bon bah j'en ai deux à monter du coup. La puissance de la rage de Rof. Tu game? Ben ouais, je game. Évidemment que je game. La DD5. Salut The Burger, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Évidemment que je game. T'as cru quoi, toi? 7 runs pour la note 2. Ça y est, on commence à prendre nos marques, les gars. Enfin, on dit ça, on va lancer une nouvelle, là, ça va pas être la même. Note 3. Bon, est-ce que je peux raise? Je peux. Je raise. Je pars pas full life, pas chargé. Ça va être la misère. Mais bon, c'est pour l'ouvrir. Enfin, la node, bien sûr. Allez, on respire. Hype par les rumeurs d'une team tech et de la simu de raid. La simu raid, on sait que ce sera pas de suite. Je te le dis direct. À moins qu'ils aient changé d'avis. Ils nous l'ont dit il y a 2 semaines. Ils nous ont dit il y a... Merde! J'enregistrais pas. C'est bon, j'enregistre. La simu de raid, ils nous l'ont dit il y a 2 semaines que ça serait pas maintenant. Donc, ça serait étonnant. Et à moins qu'ils aient changé d'avis, hein, mais... Et la team tech, ça fait 4 mois maintenant qu'on sait qu'ils vont la sortir. Vivement la simu choc. Incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? On tape quoi d'abord, là? Doctor Strange? Doctor Strange, on n'a pas le choix, en fait. Hein. Le problème, c'est que si je la laisse jouer, elle va me faire l'amour. Hein. Pas que je sois contre, mais là, c'est pas le moment, quoi. Ok. Oh, le Jean-Chi! Oh, la TK! Mais il est insane, ce personnage, les gars. Mais Jean-Chi, quoi! Mais mettez-le 7RS, ce gars-là, quoi! Il est trop fort! Véridique! Véridique, il est trop fort, ce perso. Ah, regarde, ils lui font pas de dégâts. Il est trop fort. Ah, bon. Ah, voilà, mais bon. Il y a un Greg qui a beaucoup de vie. Ah ouais, de ouf, j'avoue. C'est quoi ce Greg des... Greg du Turfu, là? Ah, si je peux le tuer en nouveau... Oh putain, ce qu'il vient de lui mettre. Oh! Je viens de lui enlever 30% de vie ou 35% de vie juste en le regardant. Juste en le regardant. Il a regardé l'autre, il a perdu de la vie. Oh putain. Je le garde ou pas? Vas-y, je le fais. Ninja! Énorme, les gars. Eh ouais, je t'ai aveuglé, toi, tout à l'heure. Tu l'as pas vu venir, ça? L'ouverture de notre monstrueuse qui est en train de se passer malgré que Jean-Chi soit décédé. Cap est toujours là. Il va pas rester longtemps, mais pour l'instant, il est toujours là. Non, mais tue pas mon Omega Red. C'est le truc qui dépêche chez moi, les gars. Enfin, c'est le plus gros. Oh putain, ça dégage. L'infirmière? Oh, je le sale! Mais franchement, Omega Red, et je suis impressionné par les dégâts des persos qui sont en G16, en fait. Surtout les persos comme ça, avec des grosses attaques de base. C'est vraiment insane. C'est vraiment n'importe quoi, les dégâts. Ok. Bon, les gars, vous êtes plus que deux. Non, vous êtes plus que... Oui, vous êtes plus que deux. Là, je vais peut-être écho, hein. On va aller gratter vite fait, hein. Un peu de PV, mais on n'ira pas plus loin, je pense. Oh putain! Oh, le Greg! On s'en souvient du Greg en DD4, les gars. Hein. C'est le Greg. Hein. En vrai, je garde tout. Hein. Je garde tout. Je pourrais faire une rotade. Oh putain, ce que je fais. Oh, c'est abusé. Je garde le run. Je garde le run, il est bien. Je le garde. Mon OR ne prend rien, non. Après, c'est un OR. Il a pas eu la même enfance que tout le monde. C'est un OR qui a grandi avec notamment du cacaïde. Donc forcément, ça forge le caractère. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as été dans la galère, tu subis beaucoup mieux. Ah, mais le Greg, c'est même l'icône du truc, quoi. Pourquoi j'ai monté au RG16? Pour qu'il fasse le café. Ah, le Greg, il a de la barre de vie. C'est un vrai perso. Hein. Le spécial de LDS qui tue un Greg et ça pose des saignements autour. Ouais, énorme. C'est moi ou il prend rien, ton R? Il prend la carte bleue. Il prend la carte bleue, mais pas l'échec.
Les gardiens de la galaxie ont un message pour vous. Raid relancé. Incroyable. Il est pas là pour enfiler des perles, le Greg. Grave. Le fils-fils du... Le fils du cacaïde. Sale fils de cacaïde, va. Oh ! C'est quand même assez méchant, ça. Ça, c'est un... Je sais pas si c'est méchant ou gentil, hein. Ça dépend. Ça dépend, ça se discute, les gars. OR, en même temps, c'est le deuxième perso en termes de PV du jeu. Ah ouais, il a beaucoup de points de vie, ouais, c'est clair. Ah non, mais OR, c'est statistiquement parlant, OR, on est sur du Alissa Milano, en termes de... en termes de statistiques. On est sur du... sur une échelle de... sur une échelle de Nathalie Portman, on est à peu près à Alissa Milano. Donc, tu vois quand même le truc, quoi. C'est quand même pas dégueu, quoi. Ich, 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 ich. Tu veux des glaçons ? Bah tiens, mange des glaçons. Mange des glaçons. Ça va te réveiller, ça, mon gars. Mais OR, ça a de la vie. Hein. Mais c'est vrai que là, pour la troisième note, c'est vrai qu'il a pas pris beaucoup de dégâts, ouais. On a dit Captain Botox. What do you want from me? Moi, ce que j'aime dans les raids. C'est l'automatisme. C'est vrai qu'ils pourraient nous mettre la simu de raid, hein, pour les raids grecs. Les raids grecs, ça me paraît logique, hein. D'accord. D'accord, d'accord. Attaque de base, bisou de Milano, inflige 900% de dégâts empoisonnés. Nouveau effet. Charme l'ennemi et le fait venir dans ta team. Pas dégueu, ça. Tiens, un système à la Mister Sinister qui clone, mais en mieux, tu vois. Tu le charmes, donc en fait, tu récupères le perso du mec et le perso bien dans ta team. T'imagines le bad ? Tu pourrais faire des wombo combos de fou furieux. Des wombo combos de fou furieux. Et genre, par exemple, il reste pendant 2 tours. Tu vois ? Il reste pendant 2 tours seulement, tu vois, dans ta team. Ou 1 tour. Mais tu peux le faire tous les 3 tours, ça. Tu récupères un perso tous les 3 tours, ce serait génial. Salut l'être malin, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Ça serait génial comme mécanique. Tu récupères un perso ennemi, tac. Tu te buffes avec son perso, et après il repart. Bon, après, je pense que le jeu buggera. S'ils font un truc comme ça, le jeu buggera. Ok. Un bug de plus ou de moins, on ne verra pas la différence. Et tu sais que ça, cette phrase fonctionne aussi avec un bug. Un bug de plus ou de moins, on ne verra pas la différence. Est-ce que tu savais ? Petite anecdote. Petite anecdote. C'est cadeau. Ça fonctionne aussi, ouais. Comment il va, ce Fabrice, au fait ? Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, là. En fait, sur le micro, c'est chelou parce que si tu veux, tu sais, la poussière se dépose. Et en fait, la poussière se transforme en petit fil. Ou alors je bade. Hein. Oh, il n'y a pas de poussière dessus, mais tu vois, j'ai des petits fils. Ou alors c'est des poils de barbe. Si, tu vois, ça fait des petites moumoutes de mousse. Allô ? Comment ça se dévisse déjà, ce truc ? Comment ça se dévisse déjà, ce truc ? Je m'en rappelle plus. Il y a moyen de le dévisser, mais...
là, je crois. Ah ouais. Hop. Regardez, une capsule de micro. Ah, vous voyez, on voit pas très bien si on la voit, elle est dedans, là. Capsule unidirectionnelle. Tu parles là, on t'entend pas très bien. Tu parles là, on t'entend très bien. C'est Lolo sur Skyrock 1. Par contre, il se dévisse de ouf. Je me lance dans la ASMR. Ouais, j'y pense, hein. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire de l'ASMR, mais relou, tu vois. Ça marcherait, tu crois? Le truc horrible. Ou tu sais, de l'ASMR en mode, tu fais tomber juste une goutte d'eau tout le temps, tu sais. Tu vois, juste des trucs horribles comme ça, tu vois. Du ronflement, des claquements, tu sais. J'arrête, je vais gerber. Ah, ça tranquille, pas vraiment le temps de venir, ouais, pas de soucis. Ah, t'es du soir. Ah, tu dois être KO quand tu rentres. Ça vous a plu? Salut Rose, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle va? Tu prends du papier bulle et t'éclates les bulles, ah, c'est pas con ça. Et Dads qui s'abonne pour son 16e mois, merci tonton. Merci tonton, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci pour le soutien à la famille. Comment elle va cette Rose? Comment qu'il va? Bah écoute, comme un lundi. Oh, ça va tranquille, hein. En vrai, ça va. J'ai pas fait la moitié de ce que je devais faire aujourd'hui, mais je suis arrivé à prendre mon rendez-vous. Donc, voilà, l'un dans l'autre, les choses se sont bien coordonnées. Je passe le râteau sur la terrasse, ça fait dérailler. Le râteau? Ouais, je peux en vrai, j'ai une terrasse. J'ai pas de râteau par contre. Attends, j'ai peut-être une idée qui me vient là, d'un coup là. Je crois que j'en ai trouvé un pire. Ah merde, il m'en faut un neuf. Faites pas ça chez vous, l'écologie, les gars. Le truc, il veut péter un câble. Fourchette contre une assiette, ouais, j'avoue. Bah ça, c'est du niveau du... C'est du niveau des ongles sur un tableau et tout, les trucs horribles, quoi. Ouais, le bruitage est pas mal. On va peut-être ouvrir une boîte de bruitage, hein. Ça peut se faire, hein. En vrai, ça peut... Ah, il s'est fait dispel avant d'AOE, lui. Pichtre. Sacre bleu, quoi. Comment ça se fait? Quelle est cette fourberie? Aïe. Ouf. C'est sympa de vous connaître, les gars. Ouais, le bruitage est pas mal. Ah putain, vous avez de la chance.
On m'a pété ma mine. Comme quand les gamins ils dessinent, c'est. Regarde, c'est un soleil. Ah non, ça c'est pas un soleil, c'est une banane. Comme dire un sage d'un autre temps, ça veut dire dégage Voldemort. Les chefs d'aide. Tu la montes combien ta Darkhold? Ben pour l'instant je la monte pas beaucoup. Mais je vais bientôt bien la monter par contre. Et là pour l'instant je la monte pas beaucoup. Combattre en raid, bravo, vous avez réussi ce défi, journalier. Merci. Regarde ton raid, non je peux pas. J'ai de la SMR à faire. J'ai pas le temps. Je suis obligé. Je me désabore. Il monte que les chauves. Exactement. Pour tous ces bruits tout à fait agréables, une petite RS semble légitime. Ça marche. Mais je savais que vous alliez apprécier la SMR. D'ailleurs, on va probablement changer totalement de contenu sur la chaîne et faire que de la SMR. Hein. Ça paraît légit. Donc, faut que j'ouvre une orbe alors. Si je tombe sur Madeline 4, je suis au bout. Hein. Je suis en déception. Je suis en forte déception. Tu l'as combien? J'ai les 4 RS. J'ai chopé tout à l'heure 4. Stun-le, s'il te plaît. Putain. Oh là 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 là. Deuxième run. Faut AOE là pour tomber le... Ça pue. Ça va me faire exactement ce qui s'est passé avant. Oh là là. Je déteste ce raid. Littéralement, je le déteste. Bon, ça me fait plaisir que ça vous a fait plaisir en tout cas d'écouter un peu d'ASMR. Je me suis préparé bien sûr. C'est de la DD6 ce raid. Non, c'est de la débilité. Les nœuds mutants sont débiles à ce fait quoi. On voit pas le haut de ton crâne aussi lisse que le Bidator dans Endgame, c'est vrai? Attends, bah après là il est pas très lisse. Hein. Là il est lisse là, parce que là j'ai pas besoin de le raser. Si tu regardes là, voilà, parce que j'ai des cicatrices sur l'autre côté, tu vois que j'ai des cheveux. Je suis chevelu. Et si on fait un petit tour, j'ai vraiment la calve dégueulasse, tu vois? J'ai la calve qui descend jusqu'au haut des fesses quoi. Oui, je suis cheveux. Ah bah là, là ça va encore, je me suis rasé samedi. Mais je sais que à partir de demain, ça va commencer à me gratter. Tu vas voir les petites orbes là? Alors c'est une orbe du coup? Une petite RS, allez, let's go. Saut! Oh putain, c'est pas du doré quoi. RS de merde. La SMR, je supporte pas, c'est horrible. Hein. Ah non, mais c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer. Hein. Je voulais vous faire découvrir ça. Voilà. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est horrible. Ça vaut pas la meuf qui mange les cornichons, là. Ça, c'est vraiment insane. Sinon, j'ai les cheveux dans les yeux. J'ai un long front. Ouais. J'ai un long front, ouais. Ouais. À défaut d'autres trucs. Hein. Ouais, j'ai un long front, c'est vrai. C'est vrai. T'es comme moi, grosse calvitie. Oh, moi, c'est... ça a dépassé le stade de la calvitie, hein. Si tu veux, on est sur... C'est un niveau imberbe, en fait. On est passé de poilu chevelu à calvitie à imberbe. Dans le plus grand des calmes. Moi, en plus, je me suis aperçu de rien. Moi, je mangeais une brioche au Nutella. Et boum, plus de cheveux. Donc voilà. 22 balais, hein. De toute façon, hein, c'est pas une blague. Hein. 22 balais, les gars. 22 balais, en 6 mois, plus de veuches. Plus de cheveux. Et je me rappelle très bien, parce qu'à cette époque, je mettais des... Je mettais du gel avant. Avant, je mettais du gel. N'en déplaise à ceux qui me croiront pas, qui diront que c'est photoshopé. Avant, je mettais du gel. Je mettais du gel. Et voilà. Voilà. Tu sais, j'étais le genre de mec qui se recoiffait en soirée, puis quand il sentait ses doigts, ça sentait le Vivel Dop, quoi. Du gel sur les oreilles. Non, les oreilles, ça allait. Les oreilles... J'ai des oreilles de type oreille, moi. Pas trop de soucis à ce niveau-là. J'entends très bien. Tu l'as, hein? Voilà.
Putain, j'aurais peut-être pu même tuer elle, tu vois, elle aurait dispel personne comme ça. Quoi qu'elle peut pas tout dispel là, si. Ah si. Vois le bon côté des choses, plus de gel, plus d'économie. J'aurais préféré garder mes cheveux, quand même, je pense. Parce qu'en fait, moi, je suis bouclé. Enfin, mes anciens cheveux étaient bouclés. Et du coup, c'est stylé, hein, moi, j'aime bien. Oh putain, oh, tu sais quoi, je vais la raise. Hein, parce que là, je suis à la fin de la node. Et j'avais les cheveux bouclés. Donc du coup, c'est cool, en vrai, les cheveux bouclés, moi, j'aimais bien. Alors, j'ai pas aimé pendant toute mon adolescence parce que les gens se foutaient de ma gueule. Mais après, quand je suis devenu adulte, vers 12-13 ans, bah là, je me faisais beaucoup plus respecter direct. Les cheveux bouclés sur les hommes, c'est trop beau. J'ai le fabriqué en Ukraine, du côté de Tchernobyl. Ah ouais, bah de toute façon, je te dis, né en 86, tonton. Il allait forcément se passer des trucs. Hein. Il allait forcément se passer des trucs. Hein. C'est à un moment donné, tu peux pas lutter. Hein. C'était obligatoire. Hein. L'histoire de faut pas manger des salades, mais vous pouvez buter des pigeons dans la rue et les manger, ça c'est pas passé. Hein. Moi j'ai mangé trop de pigeons, je pense. Attendant, tu es le chauve le plus connu d'Ardèche et ça n'a pas de prix. Oh, je pense pas que je suis le chauve le plus connu d'Ardèche. Non. Ah, j'en connais un qui est plus connu que moi déjà, ça c'est sûr. Et Et c'est tout. J'en connais qu'un en fait. Bah après, il y en a un autre, mais qui a de la calve, mais qui est connu aussi. Hein. Qui a un studio de musique. Ouais, je vais me faire défoncer le cul, là. Oh putain. Écoute, c'était pas si douloureux, finalement. Pourquoi il dispelle pas ce connard de fauve? Il est toujours en retard, cet abruti fini, là. Putain, ça me dégoûte. J'en ai plein le cul de ce raid. Littéralement, j'en ai plein le cul de ce raid de merde. Je peux plus me le voir, ce raid de mort. Après, là, tu vois, ça me dérange moins de raise parce que, ben, faut dépenser des noyaux. C'était du gel plein de radiation grave. D'irradiation, du coup. Attends, de radiation. Non, d'irradiation. Irradiation, ouais. J'ai la possibilité de up la AX-Men pour le Doom. J'attends la prochaine Team Raid Mutant ou je up la AX-Men maintenant. Je peux... La réponse sera pas sûre en fait. Je peux te donner. Si t'en as besoin pour ton Doom, monte-la. Il faudra que tu la montes puisque c'est une restriction. Et d'un autre côté, la X-Men, il lui reste probablement jusqu'à la fin de l'année à vivre, pas plus quoi. Potentiellement. Peut-être qu'elle durera plus longtemps, t'en sais rien, tu vois, on sait pas. Mais oui, c'est une team qui. C'est le genre de team qu'il faut up dès le début et t'en profites au max. Et c'est comme la Darkhold en arène là, tu vois, c'est pareil. Comme ça, tu t'en profites au max et après c'est poubelle. Après, c'est poubelle, quoi. Ils sont nés en 86 aussi. Mes cheveux ? Oui. Ils ont apparu après, mais ils sont nés à cette époque-là, ouais. Ouais. Non, mais c'est un délire, quoi. Après, ça va, j'ai pas eu trop de problèmes pour quelqu'un né en 86, en vrai. Hein. Bon, après, c'est peut-être du pipeau, tout ça. Hein. Je veux dire, autant le nuage s'est vraiment arrêté en Belgique. Moi, j'y crois totalement, tu vois. Et du coup, sauvé, quoi. Let me down. En fait, j'aimerais au moins l'aveugler pour aller tuer elle. Eh ouais, j'ai un buff def, ma gueule. Voilà. On est un peu plus safe, là. Les nuages sont mieux élevés que les migrants, c'est bien cool. Putain, la vache. Quel enfer. Ouais. Ouais. Mais, ouais. Mais c'est vrai que c'est dingue, ouais. C'est vrai que c'est dingue. Après, on pleure, mais il y a des mecs qui font pousser des tomates à Tchernobyl, là, en ce moment même. Et ils les mangent. Ils font pas que les faire pousser, ils les mangent. Et ils enlèvent pas la peau.
Donc c'est pour te dire un peu comme comme tout ça, c'est peut-être du flambi, hein. Autant il a plu du sirop de fraise. Qu'est-ce que t'en sais au final? T'es dans le nucléaire? Non, ben voilà, voilà. À Fukushima, c'est comme ça aussi. Il paraît qu'il y a des beaux poissons maintenant, là-bas. Il paraît que si tu veux faire un aquarium, tu peux te faire très très plaisir là-bas. Les Japs, par solidarité, ils mangent des tomates. J'ai passé la première note, ça m'a coûté 50 d'énergie. Bonjour, salut. Bienvenue dans mon quotidien sur Marvel Strike Force. It's got some match to name. Oh, 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 oh. J'aime bien cette musique en vrai. Elle est joyeuse. Oh, j'ai des ions. Après, j'ai 5 millions, 600 millions, quoi. Je préférais des bleus, hein. Un poisson de Fukushima remplace large une guirlande LED. Et pour moins cher, c'est vrai. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec, avec ça. Alors l'orbe d'élite, on va la garder. Hein. Attends, j'ai une élite 5 aussi. J'ai une élite 6 et une élite 5. Oh les gars, mais mon compte vaut des milliards. C'est un délire. Mais pété quoi. Pété de thunes quoi. Truc de fou. Je sais plus quoi en faire, hein. Et toi qui galères sur cette note dans ton alliance, tous ceux qui jouent en auto galèrent sur cette note, hein, je pense. Hein. Tous ceux qui galèrent tous ceux qui jouent en auto galèrent. Après, si tu joues en manuel, tu peux la passer. Hein. Mais c'est chiant, c'est d'une chianteur, c'est l'enfer. Ok. Après, dans mon alliance, non, mais après, je sais pas. Non, je pense pas, les deux autres, ça va. Après, il y a un gars qui est avec moi sur ma lane qui est encore pire que moi, qui est encore plus mauvais que moi. Et voilà, mais après, ça dépend des joueurs, en fait. Il y a des fois, je vais la one-shot 3 jours de suite. Enfin, c'est vraiment... c'est... Tu vois, là, j'ai passé 50 d'énergie. Je crois que c'est la première fois que j'ai passé 50 d'énergie. Et normalement, au pire des cas, je reste un mec, des fois Bishop. Mais c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Et à part la semaine dernière aussi, où j'ai buté dessus, j'ai même pas pu la passer, c'était impossible. Mais en fait, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. C'est au petit bonheur du jeu. Autant t'arrives... ça m'arrive que la Moon Dragon, elle n'ait pas le temps de clear les debuffs, tu vois. Alors là, par exemple, tu vois, sur les 5 fois, ça l'a fait les 5 fois. Sur les 4 fois, ça l'a fait 4 fois, parce que la 5ème était déjà morte, je crois. Ou elle allait mourir. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. C'est pareil si tu... Si tu contrôles pas le Silver Surfer. Alors, il y en a qui me disent qu'ils ne le contrôlent pas. Moi, j'ai essayé sans le contrôler, ça n'a jamais marché. Après, c'est possible, puisqu'ils le font. Mais si moi je le contrôle pas, perso je me fais démonte. J'ai jamais passé cette note sans le contrôler. Après je sais qu'il y en a qui arrivent à la passer sans le contrôler. Et même quand je prends leur façon de faire, ça marche pas chez moi. Donc c'est comme ça, écoute, hein, qu'est-ce que je te dise. À un moment donné, je suis plutôt dans les trucs qui fonctionnent à... Moi j'aime bien quand ça fonctionne à 80-90% quoi. Et là, sur les nodes mutants, il y a trop d'RNG. Il y a beaucoup trop d'RNG parce qu'en fait, t'as tellement de personnages à contrôler. Donc évidemment, bah, tu vas les aveugler et les stun avec Iceman. Qu'il suffit que t'en aies un qui miss et c'est mort. Ou alors, tu vas prendre de gros risques et ça va être dur de t'en remettre, tu vois. Le seul avantage de jouer en manuel, en vrai, c'est de pouvoir timer ton fauve. Pour moi, c'est ça et rien d'autre. Mais après, à côté de ça, la RNG, tu poses le buff ou tu le poses pas, c'est la même pour tout le monde. Et vu que moi, il se pose une fois sur 10, je me dis que c'est pareil. Jusqu'il cale juste le dispel du fauve au bon moment, histoire de ne pas avoir de problème. Et ils vont chercher aussi un peu d'attaque bar sur le Greg. Ce qui se fait au final, puisque tu vas mettre des AOE pour ralentir, tu vas mettre l'AOE de Kitty Pryde, donc au final tu vas aller en chercher, mais de temps en temps, quand ils sont en retard, ils peuvent récupérer en focusant le Greg, tu vois. Voilà ce qui fait qu'ils ont plus de réussite. Donc ça joue à pas, vraiment pas grand-chose. Vraiment pas beaucoup. Ça dépend si ça passe les debuffs ou pas, en fait, sur tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que le Silver Surfer est très très dur à contrôler, et c'est pour ça, d'ailleurs, que les mecs qui jouent en manuel, ils vont pas le chercher direct, ils vont chercher les debuffers, en fait. Ils vont chercher Squirrel Girl et Dragon Moon et Philabelle, en fait. Enfin, Moon Dragon. Mais en auto, tu peux pas.
putain, j'ai pas ce que je veux, hein. J'ai pas ce que je veux, les gars. C'est une dinguerie, hein. J'ai pas joué de la journée, rien que l'idée de faire mes deux attaques à Artea me casse les noix. Ouais, c'est vite fait, en vrai. En vrai, c'est vite fait. Mais tu sais que la dernière fois, j'ai calculé. Et je trouve qu'on se connecte beaucoup plus que ce qu'on le croit. Hein. On se connecte beaucoup plus à MSF que ce qu'on le croit. Hein. Déjà, t'as tes 3 recherches. T'as tes 3 recharges même. Par jour. Ok. Donc ça, c'est 3 connexions. Ensuite, tu te connectes le matin. Et le matin, t'as rien. Le matin, la seule chose que tu as, en fait... C'est un refresh de boutique. Mais le matin, tu vas faire ta rota, tu vas faire tes trucs, tu vas faire tes raids, et tu vas machiner ta boutique. Et voilà. Putain, il a la position de Neo dans Matrix, les gars, c'est dingue. Pas Neo, mais Morpheus. Morpheus, il se met pas comme ça un moment. Il se met exactement comme ça. Dinguerie. Comment on fait pour... comment on fait pour revenir? Comment on fait pour revenir? C'est nul ce truc, on peut pas changer. Et en fait, tu fais que de co, surtout le soir. Genre samedi soir, j'ai fait tous mes raids et tout, etc. Pour être tranquille pour la soirée, parce que j'étais en soirée, j'avais une soirée à la messe. Ensuite, j'ai dû me reco pour faire les attaques de guerre. J'ai dû me reco pour récupérer mon énergie. À 20h, temps. À 21h, à 19h, à 21h, j'ai dû faire mes attaques de guerre. Et ensuite, je me suis reco avant de dormir pour pouvoir vider les 10 d'énergie que j'avais dans chaque raid et dans la GA. Rien qu'en une soirée, je me suis co genre 3-4 fois, tu vois. Dinguerie. C'est la folie. Tu peux jancher 4 PGU, ça dure 10 secondes. Ouais, moi j'ai pas de PGU. J'ai pas de PGU en dessous de 60k, genre, ou 50k. Pris par le taf, franchement, le taf, ça sert à rien, les gars. Ouais, faut pas taffer. C'est surfait. Même moi, je choque peu, l'événement m'a cassé. Bah, n'empêche que l'événement, j'ai l'impression, l'événement Morgan, il a quand même fatigué pas mal de monde. Hein. Il était bien. Mais il était un peu long et du coup, je pense que ça nous a un peu fatigué, tu vois. Quand t'es au taf, tu peux pas choc. Ben moi, je taffe pas, mais quand je suis en live, je peux pas choc. Hein. Il était un peu long, ouais, l'event, je suis assez d'accord. Quand je suis en live, je peux pas choc, en fait. Et vu que je suis live tous les jours, sauf le dimanche après-midi. Enfin, tous les jours, en fait, au final. Tous les jours, parce que le dimanche soir, je live. Je sais pas à combien d'heures de live je suis en ce moment. 50 minutes, moi. Analyse. Statistique de la chaîne. Alors, mois d'avril. Est-ce qu'on peut savoir combien d'heures j'ai live? Temps de streaming. Ça va, en vrai. Je suis pas tant que ça. Bon, après, attends. Attends, j'ai sauté combien? 1, 2, 3, 4, 5, 7 jours. 7 jours. Donc, si je fais calculette, que je fais... donc là, je suis à 96 heures. Donc là, on va en rajouter... bah oui, 96, allez, c'est bon. Divisé. Ça, c'est multiplié, hein. Bonjour. Divisé par quoi? Si je divise par 4, ça fait 4 semaines, mais le mois n'est pas fini. Divisé par 4, ça fait 24 heures par semaine de live seulement. C'est pas possible. Là, la semaine dernière, j'ai fait une semaine complète. Ah non, j'ai pas fait le lundi. Merde, j'ai pas fait le lundi. Et ah ouais, dimanche, j'avais fait qu'une heure 20 de live. Donc là, si on prend le lundi d'aujourd'hui, on part de mardi. Mardi, j'ai fait 6,7. Plus mercredi, 6,3. Plus... Jeudi 7,4. Plus vendredi 6,3. Ah ouais, mais 3, non, c'est 5 qu'il faut faire. Merde.
6, du coup 7 minutes. 7 minutes, ça fait combien? 6,1 plus 6,5, 6h30, 7h30, 7,5 plus 6h30 plus 5h36, oui, plus dimanche 2h20, 2h20 ça fait 2,4 on va dire. J'en ai tellement mis moins que lundi 6,5. Ah, donc ça nous fait 40 heures de live. J'ai fait 40 heures de live en 7 jours. J'ai fait que 40 heures de live en 7 jours. C'est ouf parce que avec le avec le taf qu'il y a à côté, du coup, j'ai l'impression de passer des journées entières, quoi. C'est une dinguerie. Je peux live plus en vrai. Je devrais en fait. Bon, 40 heures, c'est correct. Faut pas que je sois en dessous, quoi. Après, il faut bien prendre en compte un truc. C'est que y a les lives MSF. Et du coup, quand il y a les lives MSF, les lives d'après-midi sont plus petits. Du coup, ça me fait quand même sauter pas mal, ça. Parce qu'il faut que je bouffe avant et que je boive et que tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, moi, Dib, il va bien ? 40 heures, c'est pas tant que ça, ouais. C'est vrai que 40 heures, c'est pas tant que ça. Hein. Après, le problème. Si j'aurais pas les lives MSF, ce serait plus simple, tu vois. Parce que je pourrais faire d'une traite jusqu'à 7 heures. Donc, je ferais 13h, 19h. 13h, 19h, ça me ferait 6 heures par jour. 6 fois 5, 35. Ouais, ça fait pas tant que ça. Hein. Fais-toi des matinales. Je peux pas. Ah, ce matin, je devais me lever tôt, j'avais des trucs à faire, je me suis levé à midi. L'enfer. Et puis, le problème, c'est que le soir, moi, je me couche à minuit, une heure. Moi, j'aime le soir, j'aime la nuit. Moi, si je suis un oiseau de nuit, les mecs. Je suis un hibou. Je kiffe le soir. C'est une dinguerie. Moi, je kiffe la nuit, je kiffe le soir. J'aime bien quand tout est éteint, tout est... Tu vois ce que je veux dire? Et le soir, pour me calmer et tout, j'ai besoin de 2 heures, 1 heure, 2 heures, tranquille dans mon pieu, pépère devant une série pour détendre le truc, quoi. La machine. La machine. J'aurais plus mon loulou le mardi, jeudi et dimanche soir. Alerte enlèvement, nous recherchons un chasseur de sapins. Ah si, 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 il y aura toujours. Faudrait aller chercher dans la forêt, du coup. Pareil, je tiens pas long par contre. Ah ouais, moi, obligé. Hein. Obligé de tu sais que tout s'arrête, tu vois. Qu'il n'y ait rien à part une petite série, à part un petit truc comme ça. Il y a un moment donné, il faut que... Sinon, je dors pas. Sinon, je dors pas. Je tiens jusqu'à 3-4 heures du matin. À part si je suis vraiment crevé. Mais le problème, c'est que là, en ce moment, je fais que live. Donc, j'ai pas de vrai... J'ai pas de vraie fatigue. Donc, là, la fatigue que j'ai, c'est... C'est la fatigue de penser à tout ce qu'il faut que je fasse. À monter des vidéos, à faire les miniatures, à enregistrer, à publiposter les deux chaînes, des découvertes, des machins, des trucs. J'essaye d'être sur l'actu à fond. Bon, pas terrible le clonage là, tonton. Hein. Mbaku. Quoi qu'il met des coups de, il met des coups de bâton quand même. Hein. Il met des coups de bâton. C'est pourquoi j'aime la campagne à 17h, silence presque total. Ah ouais, de ouf. Tu aimes les ruelles sombres? Ouais, ouais, salut Jen Jen, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Moi j'adore la nuit. Je suis un gars de la nuit, moi. Je te jure. Je suis un gars de la nuit, moi. Je sais pas, j'aime la nuit. C'est. Le problème, c'est que après 30 ans, il y a peu de gens qui vivent la nuit. Hein. C'est. Les gens, ils se lèvent tôt, quoi. Du coup, ils dorment vite. Donc déjà, t'es plus facilement fatigué, et en plus, vu que tu bosses, t'as des impératifs de merde. Mais il n'en demeure pas moins vrai que... Que voilà. Après, j'apprécie quand même bien, tu vois, bosser l'après-midi, live l'après-midi, j'aime beaucoup. Live le soir, j'aime beaucoup. Je trouve plus contraignant le soir que l'après-midi.
L'après-midi, c'est vraiment cool parce que bah, quand tu finis à 19, 19h30, tac, t'as plus qu'à prendre ta douche, manger un bout et tu te cales. Ça, c'est vraiment bien. Ou tu bosses un peu. Ça, j'aime beaucoup. Mais par contre, tu vois pas ta journée passer, quoi. Moi, je vois pas ma journée passer. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Des fois, j'ai beaucoup de choses à faire. Je me lève à 9h. Bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais 9h, moi-même, quand je fais une grasse mat, je suis levé plus tôt. Mais moi, j'aime dormir. Moi, j'aime dormir. Voilà, je le dis, j'aime dormir. Qui n'aime pas dormir, les gars? Est-ce que c'est pas la base, dormir? Est-ce que c'est pas la meilleure passion dans la vie, en fait, de dormir? Tu vois ce que je veux dire? Encore plus quand tu dépasses les 30 ans. Est-ce que c'est pas une dinguerie de dormir? C'est le moment où t'es tranquille, personne t'emmerde, c'est calme, c'est... tu rêves à des choses incroyables. Tu rêves de Mickey Rourke, d'Alyssa Milano, de Botox. C'est la vie, quoi. T'inquiète, à 45 ans, je dors comme un bébé. Ah, pareil. Moi, je vois mes parents, mais je me dis, mais comment ils font? Enfin, je dis mes parents, mais mon ex, c'était pareil. Hein. À 9h, c'est extinction des feux. Extinction des feux. Genre, à 9h, c'est tout le monde au pieu, tac, tac, et ça dort. 5h30 du mat', ils sont tous debout. 5h30 du mat'. Alors, moi, je t'explique. Moi, quand j'ouvre l'œil et que je vois qu'il fait moins de 27 degrés dehors, déjà, pour moi, c'est pas le matin. C'est pas... pour moi, c'est pas possible. Genre, il y a un problème. Alors, à la limite, je me fume une clope, je dis pas, je me fais un petit cacao, je vais pisser et je me recale, mais je me recale. Il y a pas de je me lève, allez, pompez-le, aspirateur, wouh, let's go. Ça, c'est jamais, jamais de ma vie, je le ferai, ça. Je peux pas être comme ça, je sais pas comment ils font. Moi, ma mère, elle se lève à 6h, 5h30, 6h, et elle te fait une tarte aux pommes, gros. Elle te fait une tarte aux pommes avec une salade composée, machin truc, elle te fait mariner du poulet et elle prend sa douche et elle part au boulot. Alors moi, je me lève, pipi, café, tablette, Marvel Strike Force, une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu, deuxième café, deuxième pipi, on s'est compris, tablette, fin de Marvel Strike Force, je range, je vais voir si c'est bien moi qui me suis levé ou si je suis pas dans le corps d'un autre, on sait jamais, parce que j'ai des douleurs que je ne comprends pas, et j'ai une gueule que je comprends pas, et après c'est let's go. Après je me lave, je passe ma tête entière sous le robinet en mode prends ça dans ta bouche, ça va te réveiller. Si quand j'étais dans la vente je prenais une douche avant de partir, donc du coup ça réveillait grave bien, mais quand je vais faire des conneries à droite à gauche, je prends pas de douche, tu vois, je me lave les dents et je trace parce que je prendrai une douche en rentrant parce que je vais transpirer, et let's go, quoi. Mais ça me prend une heure et demie facile, une heure et demie, deux heures pour pouvoir décoller. En dessous, je ne peux pas. En dessous, c'est arrêt cardiaque instantané. Tu rêves et le réveil sonne horrible. J'avais pas vu tes petits poils de torse qui dépassent. Fais gaffe, hein. J'en ai pécho pour moins que ça, hein, je te le dis. Cacao, cacaïde. Je dois vous laisser. Bah, bonne app, Fabrice. Merci d'être passé, tonton. Ça fait plaisir. Refil. 8 heures mode cassos avec café et couché en même temps dans mon lit. Ah, pareil. Encore mieux que dormir, c'est se rendormir. Moi, des fois, j'arrive pas. Moi, des fois, j'arrive pas. Cette nuit, par exemple, j'en ai chié, quoi. Mais il y a des fois, il se passe 4 heures, je suis dans mon lit. J'ai l'impression que j'ai pas dormi. Et pourtant, il s'est passé 4 heures. Donc, j'ai dû dormir à un moment donné, tu vois. Mais ça m'arrive souvent. Ça m'arrive super souvent. Après, moi, des fois, je me réveille parce que je gamberge à un truc, tu vois. Genre, oui, pourquoi je ferais pas ça pour ça ou machin, tu vois, par rapport à Internet. Hein, c'est toujours par rapport à Internet. Pourquoi je ferais pas ça, tu vois, des idées, tu vois, qui me viennent à l'esprit. Et je me réveille sur ces idées. C'est fini. KO. Dead. Genre, je suis obligé de sortir, de fumer, de boire un cacao et tout pour me rendormir. Sinon, je me rendors jamais, j'y pense non-stop, en fait. Je suis obligé de couper, tu vois. Pour couper, faut aller dehors. C'est chelou. Je suis un vrai cas, je te jure. Toi aussi, t'es arrivé de passer Namor G16 en vue de la new meta? Ouais.
Bien sûr, bien sûr. Bon, on est connectés dans nos rêves, les gars. Puis j'ai un pote, il est à fond dans la signalisation des rêves. Genre, oui, si t'as mangé l'écorce de cet arbre-là, ça veut dire que tu vas devenir vegan ou je sais pas quoi. Et des fois, il me fait trop rire. Des fois, il me sort des trucs en mode « Oui, mais ça, c'est parce que tu refoules une envie de te ronger les ongles. » Quoi ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non. Non, merci, laisse mes ongles tranquilles, ils vont très bien. Il est chaman. Il est charmant. Il est charmant. Il est pas chaman. Il est charmant. Je vous garantis qu'avec être encore passé près de la mort dimanche, j'arrive pas à dormir ou très peu, tu m'étonnes. En même temps, c'est pas un peu chaud d'être en stream tous les jours chez soi, genre pas de coupure ou de distance vis-à-vis du taf, si grave. Si, si. Si, si. Après, après, moi, ça me va. Moi, j'adore ça. En fait, faut comprendre un truc, c'est que moi, c'est compliqué de bosser. J'ai quand même des grosses, des problèmes au dos, tu vois. Et qui seront jamais réglés, même si je sens plus le pincement, je peux quand même pas faire ce que je veux, tu vois. Et y a un autre truc qui est incroyable, c'est que moi, il y a plusieurs trucs en fait qui me gavent. Déjà, c'est d'aller bosser pour quelqu'un qui s'en fout plein les poches, alors qu'il faut rien de la journée. Ça c'est un truc que je supporte plus, tu vois. Sachant que toi, t'es payé comme une merde. Donc voilà, après c'est un peu de ma faute, hein. Je veux dire, si j'en suis là, c'est un peu de ma faute, hein. J'ai eu des opportunités dans ma vie, j'ai jamais voulu les prendre, j'ai toujours voulu faire passer le plaisir avant, et j'aurais peut-être pas dû, tu vois. Mais je m'en veux pas pour ça, parce qu'au final j'ai une bonne vie, tu vois. Et puis il y a un autre truc qui me gêne énormément, c'est tous les jours se lever à 8h pour aller à 9h au boulot, rentrer à midi, manger... retourner à 14h, 18h. Ça, c'est un truc, je sais pas comment les gens font. Moi, j'ai jamais pu. Moi, j'ai jamais accepté ça. Mon corps n'accepte pas ça. Genre, tu sais, ça t'arrive jamais. Le matin, tu te lèves et t'es malade, ou t'as pas envie, ou t'as mal au crâne, ou un truc comme ça. Ça t'arrive jamais. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, non, tu dois quand même aller sourire, faire semblant et sucer ton patron. Ah non, moi, franchement. Je supporte pas ça, un truc. J'ai jamais supporté ça. Hein. Jamais, 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 jamais. Il y a ça, il y a aussi, je déteste le monde du travail. C'est pas. Là, je vais généraliser un peu, mais le côté domination des supérieurs, etc., c'est quelque chose que je supporte pas. Mais littéralement, que je supporte pas. Moi, j'ai été tout le long de ma vie, j'ai travaillé pour des gens qui avait pas vécu le quart des merdes ou même le centième des merdes que j'ai vécu, et ça me cassait les couilles de prendre des leçons de vie de ces connards, et je trouvais que c'était des gros connards, hein. Et c'était des gros connards d'ailleurs, et je supportais plus recevoir des leçons de vie de la part de trous du cul je veux dire, à un moment donné faut quand même se détendre. Faut quand même, en fait, le respect pour moi, c'est la base de tout, tu vois. Et peu importe combien tu touches, quelles sont tes études ou qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, ça a aucune importance. Tu vois ce que je veux dire? T'es censé accepter l'autre comme il veut être et comme il est, et puis point barre, quoi. Et ça, dans le monde du travail, c'est quelque chose qui est pas du tout acquis pour beaucoup de gens. Donc voilà, quoi. Et le truc, c'est que... Alors, tu surkiffes ton taf. Moi aussi, j'ai eu des tafs que j'ai surkiffé, hein. Littéralement, je te le dis, hein. J'ai eu des tafs que j'ai surkiffé, mais c'est pas un problème de taf en fait. Même si moi je m'ennuie très très vite dans les boulots, il y a très très peu de choses qui m'intéressent au final. Enfin, je sais ce qui m'intéresse, mais les tafs que je fais m'intéressent pas forcément. Il y a toujours ce rapport à la hiérarchie qui me donne envie de gerber. Littéralement, ça me donne envie de gerber. C'est pour ça que le patron c'est moi, ben, c'est le mieux. Clairement, c'est le mieux. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis très très bien. En ce moment, mentalement, je vais très 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 bien. Ça fait des années que j'ai pas été aussi bien mentalement. En ce moment, je suis trop trop bien. Je fais une quantité d'heures phénoménale, parce que là, on a vu que je faisais 40 heures, c'est ça, de live par semaine. Mais à côté de ça, tu peux rajouter 40 heures d'enregistrement et de montage et tout. Moi, je bosse tout le temps. Tout le temps. Même ma mère, la dernière fois, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, t'es au courant qu'on a envie ou pas? Je suis pas allé chez mes parents depuis 2 semaines, et encore, c'est quand elle m'a envoyé le message que j'y suis allé, du coup.
Et donc du coup, je pense que là, je dois facilement taper dans les 70 par semaine. Et régalade, littéralement régalade. Et je suis comme un dingue. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire encore plus. C'est ça le pire. Le souci aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens, leur taf consiste à contrôler le taf de quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Mais après, tu peux le faire sans être un connard quand même, je pense. A plus, Romac, merci de passer ton temps. Et je pense que voilà. Mais de toute façon, le monde du travail, je trouve que c'est horrible. Il y a très très peu... Après, moi, j'en connais des patrons qui sont adorables. Qui sont vraiment des super bons patrons et tout. Qui... Tu sais, c'est des mecs, ils sont pas là pour être riches. Ils sont pas là pour... Ils se contentent de ce qu'ils ont, ça leur va très bien. Ils ont pas envie d'acheter 17 apparts pour les louer. Ils s'en battent les couilles, ils font plaisir à leur famille à fond. Et qui sont adorables avec leurs employés, un truc de ouf. Mais il y en a pas beaucoup. Tout se passe bien, c'est comme si tu servais à rien. Comment ça? Salut Yuki, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Et du coup, voilà quoi. Et ça, j'avoue que j'ai du mal à supporter. J'avoue que j'ai du mal à supporter ce côté boulot, métro, boulot, dodo, machin. Moi, le stream, c'est trop bien parce que du coup, je change tout le temps. Tu vois, on a tout le temps des conversations différentes, on fait tous les jours, c'est différent. Ça, c'est génial, je trouve. Pour les mecs qui contrôlent les tafs des autres. Ah, bah, mon pote, mon coloc travaille dans une usine. Et après, ça va. Il y en a qui bossent quand même, il m'a dit. Mais il y en a que c'est des pébrants, là. Il y en a plein, c'est des pébrants, là. Après, moi aussi, j'ai bossé en usine, c'était pareil. Hein. T'as toujours des mecs qui justifient leur salaire avec leur grande gueule, on va dire. C'est totalement ça, en vrai. Hein. Grâce à leur grande gueule, en fait. En mode... Ils savent faire que ça. Si tu bosses avec moi dans la nature, tu vas vite comprendre le dodo à 21h, mais c'est de la bonne fatigue. Moi, j'aime la bonne fatigue, j'adore. Hein. C'est pas le souci. Hein. Moi, je préfère... Tu sais, quand tu finis une journée où t'as fait un truc, t'as accompli quelque chose, tu te sens bien mentalement. C'est un petit peu... Tu vois, c'est un peu le même principe que d'aller faire du sport. Pourquoi les gens ils disent il faut faire du sport? Parce qu'à chaque fois que tu fais une séance de sport, ben en fait t'accomplis quelque chose, d'accord? Donc tu vas passer ta séance, parce qu'il faut pas se mentir, t'as pas tout le temps envie d'aller au sport, de 1, et de 2, ben voilà, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça, etc. Et quand tu le fais, eh ben tu sens un espèce d'accomplissement, et véridique, hein, j'en ai fait pendant des années, véridique, tu te sens bien, t'accomplis quelque chose. Va vendre. Alors, j'allais dire, va vendre des chaussures à Intersport et compagnie comme j'ai fait. Pas vraiment en fait, parce qu'il y a des fois aussi tu as de l'accomplissement en réalité. Tu vois. Quand t'aides quelqu'un et que les gens ils sont contents, t'as de l'accomplissement à ce niveau-là. Tu vois. Mais voilà. Cette sensation du haut sport, c'est presque de la drogue. Ah ouais, c'est carrément de la drogue. Moi, quand ils m'ont dit tu peux plus courir, j'étais au bout quoi. Je me suis dit, mais je te. J'étais dégoûté. J'ai pas eu le droit de courir pendant 8 ans, sa mère. Pendant 8 ans à cause de mon dos. Alors que je courais tous les jours. Même les soirs de biture, le lendemain, je courais. Je courais tout le temps. Tout le temps, tous les matins, je courais. Ah, quand ils m'ont dit, tu courras plus, sinon tu vas crever. Ils disent, voilà les gars, va falloir qu'on trouve un moyen. Fais du vélo. Du vélo? Tu fais du vélo d'appartement? Je dis, d'accord, j'ai acheté un vélo d'appartement. J'en ai fait deux fois, j'ai dit plus jamais je m'assois là-dessus. J'avais tellement mal au cul, c'était horrible. En fait, Lolo, t'aimes pas le travail subordonné à quelqu'un ou à quelque chose et tu préfères le travail libre de tout. Alors, je sais pas. Parce qu'en fait, je pense que tu peux être libre dans ton travail en étant subordonné de quelqu'un. Tu vois? Je pense que tu peux. C'est une histoire de confiance, c'est une histoire de... Mais maintenant, les patrons se prennent pour des cobayes. Faut pas se mentir, c'est la réalité. Les patrons se prennent pour des cobayes. Ils se prennent pour les rois du monde et pour, au final... Pas grand chose, à part passer pour un con et te faire détester, ça n'a pas trop d'intérêt, tu vois. Mais enfin, après, j'habite en Ardèche, moi, donc il y a peu de patrons. Enfin, il y a peu de patrons. On se comprend, quoi. Je fais 34 heures, pas plus, sinon le corps prend trop cher. Le reste, plutôt stratégie et bureau. Ouais. En vrai, c'est le sens que tu trouves ou transmets dans ton taf qui fait la diff. Un taf qui n'a pas de sens, quelle angoisse. Ouais, grave. Mais après, moi, j'ai fait des tafs qui avaient du sens, mais la hiérarchie. La hiérarchie supprimait ce sens, tu vois. Genre en mode, ben non, ça t'arrête de faire comme ça et tu fais ça. Alors que ça fonctionnait très bien.
Franck Lepage, c'est pas un mec qui fait de la motivation, je sais pas quoi ça. Des conseils de motivation, je sais pas quoi. Donc voilà, après. Après, c'est pour ça que. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'en ce moment, il y a de moins en moins de gens qui veulent bosser, en fait. Genre en Ardèche, ils trouvent pas d'employés. Hein. Et je comprends, tu vois. Ils sont mal payés, ils se font chier dessus. Ceux qui font le taf et c'est les autres qui s'en mettent plein les fouilles. Ben, moi, ça m'étonne pas. Hein. Ben, franchement, je serais... la question, elle se pose. Hein. De l'énergie. Des conférences gesticulées, de l'éducation populaire. Je sais pas si ça a été demandé hier, ça, tonton. Je suis pas sûr, là. Excellent pédagogue et mec qui vient de l'éducation populaire. Ces conférences gesticulées sont un bonheur. Ah, d'accord. Je sais pas trop ce que c'est, mais je veux bien vous croire, les gars. Ok, est-ce qu'on ferait pas un peu de guerre sur ces belles paroles? Parole, parole, parole. C'est la guerre. C'est la guerre. Putain, j'ai des teams de fous furieux, moi. 1 209 989K 870 960. Let's go. Oh merde, on est mardi, j'ai mis 3 devs. Tant pis. Hein. J'ai posé la main sur une guêpe par inadvertance, faut pas gratter. Et ça va passer tout seul au bout de 5 minutes. Oula, c'est quoi ces équipes de bras cassés là? Attends, y'a que ça là? Oh putain. On va sortir des petites teams là. J'ai mis du gel hydroalcoolique. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour désinfecter? Ah ouais. C'est vrai que ça sert à ça, ouais. Tu devrais te laver les dents avec, d'ailleurs. Ça désinfecte. Non, mais t'as pas besoin de désinfecter une guêpe. Une piqûre de guêpe. Ça sort de son abdomen. Y a pas de bactéries dans... Si, je crois pas. Hein. Je pense pas qu'il y ait de bactéries dans le dard d'une guêpe. Ah, pour la plaie, tu veux dire? Pour la plaie, à la limite. Putain, je la tue pas, t'y crois, toi? Si, il y a des bactéries sur le dard d'une guêpe. Ah, pour que rien s'introduise. Ah bah, tu t'es déjà fait introduire, hein, tonton. C'est un peu tard. Ah, je crois que c'est un peu tard. Hein. L'introduction est déjà faite. Hein. Allez, mais tu es là, en fait, elle. On va pas y passer tout le dimanche après-midi, là. Eh ben, quel enfer. Cordo jeunesse en MJC. Ça déchire. Comme taf, comme accomplissement, ça déchire. Et ça dégage.
C'est moi qui ai la plus grosse IM. Ce qu'il faut surtout faire, attention, quand tu te fais piquer par une guêpe, c'est pas faire, tu sais, l'enlever comme ça. Parce que si le dard, il est encore dedans, quand tu vas l'enlever, et ben, enfin, quand tu vas te frotter, il peut te piquer autre part. Véridique, ça. Hein. C'est du vécu, les gars. C'est du vécu. Et du coup, tu te fais piquer à deux endroits avec le même dard. Et là, t'as l'air d'un con. T'as l'air d'un gros con. Qu'est-ce que j'ai comme team à cette allure-là ? Ouais, let's go. Hein. Écoute, j'avance, hein. Pas trop le choix. Hein. Je sais pas ce que je vais attaquer d'autre, mais faut ce qu'il faut, les gars. Oui. Duolingo notification. Oh ! Continue de progresser avec ta leçon du jour. Yes, baby ! C'est prévu. C'est prévu, bien sûr. C'est tout à fait prévu. Après, on va se faire un grand verre d'eau et on va se concentrer sur Duolingo. Je vais essayer de taper. C'est quelle heure, là ? 21h ? Au moins 1h30. Une heure. Au moins une heure. Allez, 30 minutes. Non, tu vas voir, je vais me lancer dedans. Je vais rester 1h30, je me connais. Vous me faites rire avec vos histoires de votre introduction de dard. Ouais, bah c'est connu, hein. Moi, je me suis fait piquer plein de fois. Hein. J'ai même vu un gars se faire piquer dans la bouche. Genre, il buvait quand j'étais au scout. Il buvait dans un tuyau d'arrosage sorti d'un tuyau normal. Il y avait un tuyau d'arrosage. Et en fait, dans le tuyau d'arrosage, il y avait des guêpes. Et... vous voyez le scénar, quoi. Et le gars, il est arrivé. Il y avait plein de gens qui buvaient. Donc, il y avait tout le temps de l'eau, là. Donc, ça attirait les guêpes tout le temps. Et en fait, il y en avait dans le tuyau. Et il s'est enfoncé le tuyau au fond de la gorge pour pouvoir boire ça goulûment. Et en fait, il y avait une guêpe. Et bon, bah, rip, hein. Il s'est fait piquer dans la bouche. Il pleurait. Ah ! Et encore le pire, c'est un gars d'ici. Il s'est fait piquer par une tique. Donc, les tiques, le truc des chiens, là, tu vois, ça fait rien du tout. Par contre, ça, c'est dangereux. Ça peut s'infecter de ouf. Ça, c'est pété de maladie, par contre. Et il s'est fait piquer par une tique. Alors, il s'est fait piquer deux fois par une tique. Dans la même nuit, hein, ou dans la même journée, je sais pas comment il s'était débrouillé. Moi, je l'ai juste vu passer en chialant avec des trous dans la peau. Il en avait une dans l'oreille, ou c'était peut-être le lendemain, je sais plus, mais bref. Il en avait une dans l'oreille et il en avait une en dessous de l'œil. Juste là. Et ce gars-là, c'était un mec, je jouais au foot avec lui et il m'avait tapé parce que je me foutais de sa gueule. Il avait un peu les oreilles décollées quand j'étais gamin. Et du coup, il m'avait mis une tarte, enfin, il m'avait mis une patate, quoi. C'était la première patate de ma life, d'ailleurs. Je devais avoir, je sais pas, 10 ans peut-être, 9 ans, 8 ans, bon, un truc comme ça. C'est la première patate que j'ai pris de ma vie. Et il passait en pleurant avec son tic accroché à l'œil. Ah, on dirait il allait mourir. Oh, qu'est-ce que j'ai ri. Et bon, après, je rigolais pas devant lui parce qu'il m'en avait déjà mis une. Et en fait, du coup, ils ont ramené un docteur, c'était dans le Jura, ils ont ramené un docteur parce que le tic, faut pas l'arracher, si la tête elle reste dedans, ça s'infecte. Donc du coup, ils lui ont coupé un bout de peau en dessous de l'œil et tout. Oh, il était au bout de sa vie. Oh, il était au bout de sa... Ah, je devais peut-être avoir 10-12 ans, je pense, un truc comme ça quand j'étais au scout quand même. Et il était au bout de sa vie, mais c'était génial, c'était super. Et ce même mec s'est fait choper 3 jours après... en train de relooker les filles sous la douche, parce que tu pouvais passer à travers la forêt, dis-toi. Et lui, il s'est fait pécho en mode, il était sur un arbre, et il était derrière les douches des filles, il était en mode gâteau, il bouffait, il regardait ça comme si c'était un Marvel. Et il s'est fait, mais démonter, c'était incroyable. Oh, c'était la bonne époque. Hein. J'avais bien rigolé quand même, genre. Allergique aux piqûres de guêpes. J'ai un pote aussi qui est allergique. À chaque fois qu'il y a un truc qui vole, il est en PLS, quoi. Il est en PLS total. Je connais un sportif de haut niveau, il s'est fait niquer sa fin de carrière à cause d'une maladie transmise par une tique. Ah ouais, ça transmet énormément de maladies. Les tiques, il faut... C'est pour ça qu'ils coupent la peau, en fait, pour enlever la tête, parce que s'ils enlèvent pas la tête, ça peut s'infecter, quoi. Après, moi, j'en ai déjà eu, je les arrachais comme ça. Hein. Ici, il y a plein d'autres herbes, il y en a plein des tiques. Moi, ça m'est déjà arrivé, bim bam, je l'ai arraché comme ça. J'ai jamais rien eu. Mais après, tu peux choper de la merde. Tu peux choper des merdes, clairement. Bon, tout le monde est low life, mais personne n'est mort. Ah, hein, il avait un indestructible, ça me dégoûte. Tu lui, non ? Parfait. Très bien.
Bon, peut-être une petite dernière attaque. Et encore. Parce que bon, c'est vraiment pas ouf là, ça me fait chier de sortir des teams comme ça. Donc je me tâte à attendre un peu des plus gros trucs parce que. Ouais, ça commence un peu à venir. Enfin, de toute façon, j'ai plus de trucs, je rechargerai dans mon pieu. C'est mon cas aussi, dès que je vois une guêpe, je suis bite à peur comme. Ah ouais, c'est pareil lui. Et lui, il gonfle. Il touffe. C'est dur. Genre, sa joue, elle devient énorme. Sa joue, elle devient énorme et après, il commence à galérer à respirer. Des barres de rire. Enfin, des barres de rire. Non, c'est quand tu le vois faire, c'est pas très rigolo, mais. Mais sympa quoi. Bon, les copains. Demain, rendez-vous 13h pour live. MSF, ce sera jeudi. Jeudi 19h. Sinon, je vous invite à venir l'après-midi passé, les gars, à 13h. Hein. À 13h, on est en live, on joue, c'est bien. Là, on va finir un petit jeu vraiment sympathique. Qu'est-ce que je vous prépare cette semaine? Il y a une découverte de jeu, Echoes of Mana. Il y a la première note de DD5 qui sort. Il y a le gros plan Wong. Demain, il y a les news du mercredi, bien sûr, avec la prédiction choc et compagnie. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a du taf, hein. J'ai du taf, hein. Demain matin, ça va charbonner. Demain matin, je me le réveille direct. N'oubliez pas de choc, surtout, c'est le moment, hein, pour récupérer Agatha et Wong. Et je vous dis à demain, moi, 13h. Et pour les autres, on se retrouve jeudi 19h. Merci à tous pour ces petits lives. Faites pas les fous, bonne soirée, mangez bien, bonne douche, faites pas les fous. Bon courage à ceux qui vont bosser demain. Et voilà. Et oubliez pas, on mange pas de Nutella en ce moment. De Kinder. À jeudi, les gars. À demain, 13h. Je sais faire des trucs de ouf avec mes doigts, c'est dingue.